Okay, so good morning and good afternoon, everyone. Welcome to this last day of the... Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus à cette dernière journée de notre formation. Les deux premiers jours ont été très instructifs. Nous avons vu la méthodologie ainsi que les cinq sous-indicateurs des 11. Aujourd'hui, nous allons parcourir le reste des sous-indicateurs. Ensuite, avec notre collègue de Nathan Warren, nous recevrons un exposé du département statistique de la FAO. Ensuite, nous passerons à une partie très importante de la formation qui va se focaliser sur le questionnaire. Ce sont les questionnaires que la FAO envoie aux différents États membres pour la collecte des données. Ensuite, nous allons recueillir vos contributions, vos préoccupations relatives à la collecte des données de l'ODD de 4.1. Donc voilà, mesdames et messieurs, nous espérons que nous allons avoir des contributions très importantes qui vont nous permettre de mieux comprendre les réalités de vos pays et vous accompagner en matière de collecte des données. Sur ce, j'aimerais repasser maintenant la parole à mon collègue Arbal pour son exposé. Stéphania, merci. Est-ce que vous pouvez confirmer que je suis assez audible? Oui, vous l'êtes. Je vais alors partager mon écran avec vous. So, as Stéphania mentioned, comme Stéphania l'a dit, nous avons hier couvert les six premiers sous-indicateurs. L'indicateur qui fera l'objet de mon exposé maintenant porte sur la gestion des pesticides. Les pesticides sont importants pour l'agriculture moderne, mais lorsqu'ils ne sont pas bien gérés, cela peut représenter un danger pour la santé humaine et de l'environnement. Nous nous basons sur les informations relatives à l'utilisation des pesticides par les exploitants, ainsi que les types de pesticides qu'ils utilisent, ainsi que les mesures de mitigation des risques associés à ces pesticides. En ce qui concerne les risques qui sont recommandés dans le cadre de l'utilisation des pesticides, est regroupé en deux. Le premier groupe porte sur les questions sanitaires et l'autre porte sur les questions environnementales. Je vais présenter les trois mesures relatives à la santé. Premièrement, le respect des directives affichées sur les pesticides en ce qui concerne leur utilisation. Deuxièmement, c'est l'entretien et le nettoyage des équipements de protection après utilisation. Et troisièmement, comment se débarrasser en toute sécurité des déchets associés aux pesticides. Nous avons en tout et pour tout, cette mesure environnementale relative à l'utilisation des pesticides. L'approche de cet sous-indicateur est conçue de la sorte. Les exploitations sont classées en vert si elles utilisent de façon modérée ou très peu
des pesticides dangereux tels que classés selon la classification de l'OMS niveau 2 et 3. Et dans ce cas, si la ferme doit respecter les trois mesures de santé et au moins quatre des sept mesures de protection de l'environnement. Maintenant, si la ferme n'utilise pas du tout de pesticides, dans ce cas, automatiquement, cette exploitation agricole est classée comme verte parce que, justement, elle n'a aucune incidence sur la santé humaine ou de l'environnement. L'exploitation serait classée en jaune si elle utilise des pesticides dangereux de façon modérée ou très peu, selon la classification de l'OMS niveau 2 ou 3, et prend au moins deux mesures pour régler les problèmes de santé humaine et environnementale. L'exploitation serait classée en rouge lorsqu'elle utilise intensément des pesticides dangereux ou des pesticides illégaux ou alors si elle utilise de façon modérée ou très peu les pesticides sans toutefois prendre des mesures d'atténuation des risques associés à cette utilisation. Une fois encore, je vais vous présenter le résultat issu du projet pilote, du test pilote organisé au Bangladesh. Comme vous l'avez vu, nous avons posé des questions aux exploitants. Sur la base de leurs réponses, nous avons pu catégoriser leur exploitation ainsi que les zones agricoles. Nous avons essayé de voir si l'utilisation des pesticides dans ces exploitations sont acceptables, souhaitables ou non durables. Nous leur avons posé la première question qui est de savoir est-ce que vous utilisez des pesticides? Si la réponse est oui, nous cherchons à voir quel type de pesticides ils utilisent. Lorsque nous obtenons les réponses de ces questions, nous leur posons la question suivante qui est de savoir quels sont le nombre de mesures qu'ils utilisent dans le cadre de leurs activités. Par exemple, l'exploitation numéro 1 a trois mesures environnementales et deux mesures de santé. Et dans ce cas, elle n'est pas durable parce qu'elle utilise des pesticides très dangereux et illégaux. Exploitation numéro 2 utilise également des pesticides modérés et a deux mesures environnementales et deux mesures sanitaires. Par conséquent, nous lui accordons le titre d'acceptable. Prenons par exemple un exemple de ferme souhaitable. Ici, il utilise des pesticides. Le numéro 12, ils utilisent de façon modérée ou très peu des pesticides dangereux, mais ont quatre mesures de protection de l'environnement et trois pour la santé humaine et du coup est classé comme souhaitable. Et comme je l'avais dit plus tôt, lorsque nous avons une telle situation, nous devons classer l'exploitation comme étant en vert. Ensuite, la dernière pour
définir le statut de durabilité de la zone cultivée. Eh bien, comme d'habitude, après avoir classé les fermes en rouge, jaune ou vert, nous en faisons la somme. Ensuite, nous utilisons les formules que nous avions présentées plus tôt pour pouvoir définir exactement la proportion qui est en jaune, vert ou en rouge. Je retourne maintenant à mon fichier Excel. Just bear with me for a second. In the meanwhile, if you have any questions while I'm displaying my screen, please feel free to ask. Donnez-moi une minute. Si vous avez des questions, vous pouvez d'ores et déjà les poser en attendant que je résolve ce petit problème technique que j'ai à mon niveau. No questions so far, Sundar. OK. Bon, pour l'instant, il n'y a aucune question qui a été posée. Stefania, would you mind displaying the Excel sheet on your computer because I'm... Stefania, pourriez-vous faire le partage d'écran à partir de votre ordinateur parce que je continue pas à avoir quelques soucis à ce niveau. D'accord, donnez-moi une minute. Okay, just let me know if the size is fine. Should I increase? Please increase voilà, the size. Voilà, dites-moi si la taille est appropriée. Non, veuillez augmenter un peu. Yes, better. So as you can see here, now we have... Oui, c'est d'ores et déjà mieux. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons une série de questions qui sont intégrés dans l'enquête agricole afin de pouvoir recueillir les informations nécessaires par rapport à la nature de pesticides et les mesures prises par l'exploitation en ce qui concerne l'utilisation de la pesticide dans ces activités. La toute première question, Stéphanie, un peu plus haut. Yes. So the first question is, did this holding use any pesticides? La première question est de savoir est-ce que cette ferme utilise des pesticides pour la production agricole ou animale? Vous savez, la réponse à cette question est directe oui ou non. Maintenant, si la réponse est oui, nous posons la question suivante. Quel type de pesticides utilisez-vous? Vous pouvez voir ici, nous avons les pesticides modérés ou un peu dangereux et les pesticides hautement ou extrêmement dangereux, voire illégaux. La définition de
ces caractères du niveau de nocivité, des pesticides a été fourni par l'OMS. Nous allons partager avec vous les liens devant vous permettre de savoir exactement comment classer les pesticides. La troisième question est la suivante. Si l'exploitation utilise des pesticides modérés ou très dangereux, nous leur posons la question de savoir s'il y a des mesures qui sont en place pour mitiguer justement les risques associés à cette pesticide. Et en ce sens, nous demandons s'il y a des mesures qui ont été mises en place pour protéger les personnes qui utilisent les pesticides. Ensuite, nous avons trois options que nous leur présentons. Premièrement, le respect des directives en ce qui concerne l'utilisation de la pesticide. Deuxièmement, l'entretien et le nettoyage des équipements de protection après utilisation. Et troisièmement, les mesures pour la destruction des déchets associés à la pesticide. Ensuite, nous demandons également s'il y a des mesures spécifiques pour éviter des risques environnementaux, autant pour moi. Et en ce sens, la réponse est une fois encore directe, oui ou non. Si la réponse est oui, nous cherchons à savoir le nombre de mesures adoptées pour protéger l'environnement. Voici la liste des mesures qui ont été présentées. Là, les options sont là. Vous voyez que l'exploitation peut choisir un mélange de mesures de mitigation des risques associés à ces pesticides. Sur la base des informations que nous avons obtenues à travers ces questions, nous passons à droite où nous avons l'analyse. Cette analyse est basée sur les réponses que nous avons obtenues à travers les questions que nous avons posées. Alors, pour l'exploitation numéro 1, utilisation pesticide, oui, type de pesticide. La réponse est là. Ensuite, nous avons posé la question, est-ce que des mesures ont été prises pour la mitigation des risques et la protection de la santé humaine ainsi que de l'environnement. Vous voyez qu'il y a ici, par exemple, une seule mesure de protection pour la santé humaine et trois autres mesures sont prises pour protéger l'environnement des 12 que nous avons proposées. Comme vous pouvez le voir, ici, nous avons 12. Dans l'exposé, nous avions 7. Mais que cela ne prête pas confusion parce que nous avons essayé de décomposer certains des mesures pour pouvoir obtenir des réponses spécifiques auprès des exploitants. Sur la base de la logique que j'avais expliquée, qui porte sur le seuil défini pour ce sous-indicateur, voici les informations consolidées. Cette information permettra de pouvoir catégoriser les exploitations. Le premier colonne ici, utilisation des pesticides. Oui, les types, nous avons cela, les mesures environnementales 3 et la mesure pour la protection de la santé 2. Au niveau 5, étape 5, l'exploitation est classée en vert si il respecte toutes les trois mesures
pour la santé humaine et cette mesure pour la protection de l'environnement. Du coup, cette première exploitation ne respecte pas les critères pour être catégorisée en tant que vert. Nous passons au jaune pour voir si elle respecte ces critères. Ici, la condition est que la ferme ait au moins deux mesures de protection de la santé humaine et de l'environnement. Maintenant, cette ferme ne respecte pas même ce critère parce que nous avions besoin de deux alors qu'ils ont un ou ils ont plutôt une seule mesure pour la protection de la santé. Par conséquent, nous les classons en rouge. Ferme numéro 2, oui, utilise des pesticides modérés ou un peu dangereux, mesure environnementale 2, santé 2, donc c'est acceptable. Ferme numéro 5 n'utilise pas du tout de pesticides, donc par conséquent, nous n'avons plus besoin de poser les questions de suivi automatiquement. Cette ferme est en vert. Maintenant, nous allons à la ferme numéro 9, utilise des pesticides modérés et un peu dangereux. Maintenant, mesure environnementale 5, santé 3, donc nous catégorisons cela également en vert. Yes. So let's just stop here. So, maintenant, étape numéro 6. En utilisant la même logique, nous attribuons les couleurs et sur la base des résultats, nous définissons le statut de durabilité à chaque zone exploitée ou cultivée. Ensuite, nous faisons la somme des zones en vert, en jaune et en rouge. Ensuite, nous divisons cela par la superficie totale cultivée. Cela nous permet de déterminer les proportions relatives à la durabilité au niveau national. Merci. Avant que je ne passe. À la session questions-réponses, j'aimerais inviter les différents participants à poser leurs questions dans la boîte à questions Q et A. Mais déjà, deux personnes ont posé des questions dans l'option conversation. Nous les pardonnons pour l'instant. La première question est la suivante. La personne qui répond au questionnaire peut ne pas savoir si ces pesticides sont dangereux ou pas. Comment est-ce que vous êtes pris au Bangladesh? Et deuxièmement, comment pourrions-nous classer ces pesticides? Comme je l'avais dit plus tôt, il est vrai, les exploitants peuvent ne pas savoir la catégorisation des pesticides. Maintenant, sur la base de cette perspective, dans le manuel de l'énumérateur, vous avez plus d'explications qui devraient permettre à ce dernier de sensibiliser les exploitants en ce qui concerne les différents types de pesticides. Les pesticides dont le niveau de dangerosité est modéré ou peu, il y a des couleurs spécifiques qui sont utilisées. Parfois, vous avez des couleurs vertes, rouges et jaunes. Sur la base de ces couleurs, nous pourrons inviter le répondant à nous dire exactement quel type de pesticide ils utilisent. Une fois encore, permettez-moi de dire que le rôle des
énumérateurs en ce qui concerne cette enquête est très important. C'est pourquoi il faut mettre beaucoup d'accent sur la formation de l'énumérateur afin que celui-ci puisse obtenir les réponses appropriées à travers ses entretiens avec les exploitants. Il y a une autre question qui nous vient d'un participant, M. Bereguet. Merci. J'ai une question. Si un exploitant a trois exploitations, trois terrains dans son exploitation, et supposons qu'il utilise les pesticides sur seulement deux terrains et laisse l'autre sans pesticides, comment allez-vous procéder à sa catégorisation? Merci pour vos questions. Si vous avez remarqué, ce dont nous sommes toujours en train de parler, c'est le pourcentage de superficie sur laquelle l'exploitant applique sa pesticide. Et dans ce cas précis, nous ne faisons pas attention au fait qu'il utilise les pesticides sur une seule parcelle ou sur deux parcelles ou sur toute son exploitation. Qu'il utilise sur une parcelle ou deux ou sur toutes les parcelles, nous devons toujours poser cette question. Le fait est que s'il utilise les pesticides de manière inappropriée au niveau d'une parcelle, cela voudrait dire qu'il va répéter encore les mêmes erreurs sur l'autre parcelle. Donc, l'objectif est de faire le suivi des pratiques de l'exploitant, c'est-à-dire ce qu'il fait sur son exploitation sans tenir compte du pourcentage de la surface qui fait l'objet de ces pesticides. Donc, pour nous, même si il utilise la pesticide sur 1% de toute son exploitation, nous allons lui attribuer la couleur selon son approche en ce qui concerne l'utilisation des pesticides sur cette parcelle. C'est de cette manière que nous allons nous y prendre. Autrement, nous risquons de compliquer la procédure, c'est-à-dire voir quel est le pourcentage et maintenant dire ou comment pourrions-nous tirer la conclusion que, bon, sur une parcelle, il utilise les bonnes pratiques et sur l'autre, il n'utilise pas les bonnes pratiques. Donc, nous ne tenons pas compte de la superficie spécifique qui fait l'objet de l'application des pesticides. Pour nous, nous prenons l'ensemble et nous travaillons avec ça. OK, we don't have any other questions. Okay. Eh bien, nous n'avons plus d'autres questions. You can go ahead, I think, Cassandra. Allez-y, Cassandra. Alors, le 8 est le dernier sous-indicateur est l'utilisation des pratiques soutenues par la biodiversité. Alors, je vous plante un décor. Ce sous-indicateur a fait l'objet des discussions en 2019 dans le cadre de la revue du cadre. Alors, cette discussion a été
avec des participants de Chili, du Brésil, de la Russie et des autres États membres. Après des discussions et des consultations d'une année, début 2019, un compromis sur les critères a été atteint et présenté ensuite aux organes, au groupe interinstitutionnel qui a adopté la méthodologie de ces sous-indicateurs. Du point de vue méthodologique, les sous-indicateurs ont mesuré le niveau de production des pratiques de biodiversité par l'exploitation dans l'écosystème, les espèces et génétiques aussi bien pour les plantes que le bétail. Il a été noté que, au niveau de ces indicateurs, l'étendue est l'ensemble de la superficie de l'exploitation par rapport à la zone cultivée dans, au niveau des dénominateurs par d'autres indicateurs. Donc, ces pratiques sur la biodiversité a une caractéristique autre que les autres, à savoir si des pratiques agricoles liées à la biodiversité pratiquées, il s'agira de voir si les certifications biologiques sont adoptées ou non. Alors, nous avons proposé 5 critères dans le cadre où il n'existe pas de certification biologique. Mis à part c'est. En fait, toutes les informations à ce niveau sont retenues en termes de productivité, en matière de revenus ou de sous-indicateurs de résilience. La plupart des informations requises pour le premier et le troisième critère sont déjà recueillies dans le cadre de ces indicateurs de la productivité. Le second, le cinquième critère nécessite d'autres questions supplémentaires pour être inclus dans cette enquête pour nous permettre de recueillir des informations appropriées. Nous proposons donc 5 critères pour les pays qui n'ont pas de certification bio en place. Pour ceux qui ont des certifications bio en place, les 5 critères demeurent les mêmes. Et nous proposons un autre domaine que nous avons souligné en rouge, à savoir des produits agricoles produits au niveau des fermes qui sont certifiées bio ou ces produits, n'est-ce pas, connaissent un processus de certification avec l'application d'un système bio en place. Alors, pour les pays avec certification en place, l'exploitation sera qualifiée de vert. Ça voudra dire qu'il faudrait respecter au moins 3 de ces critères. Et si pour être classé de jaune, vous devez avoir respecter au moins un des critères. Et si vous n'en avez aucun, vous êtes classé de rouge. Rappelez-vous, au lieu de 6 critères, nous avons 5 critères. Et à ce sujet, l'exploitation sera classée de vert si elle répond à 2 des 5 critères. S'il n'y en a pas du tout, il sera catégorisé de 0. Et si il respecte un des critères, il sera classé de jaune. Et nous n'avons pas la possibilité de tester ces indicateurs parce que vous vous rappelez, le test de Bangladesh a été mené
à la fin de 2018, au début de 2019. Et comme je l'avais déjà indiqué au début, ces indicateurs faisaient toujours l'objet de discussions et n'ont été finalisés qu'au mois de novembre 2019. Et donc, nous n'avons aucun résultat émanant des tests sur ces indicateurs particuliers. Alors, je vais afficher le fichier Excel ou le tableur Excel. Alors, comme je le disais, la plupart des informations nécessaires pour analyser ces sous-indicateurs ont été déjà recueillies dans le cadre des sous-indicateurs. Prenons par exemple le premier, qui est la superficie cultivée de l'exploitation. Voici ces sous-indicateurs au lieu de la zone de production agricole qui est donnée ici, donc superficie cultivable totale. Pour ces sous-indicateurs, voilà la superficie totale. Pour ces sous-indicateurs, c'est la superficie totale de l'exploitation qui est prise en compte. La deuxième question à laquelle nous devons répondre, qui est basée sur le module de l'enquête, c'est celle qui porte sur la diversification naturelle des pâturage. Les zones humides ne font pas partie des zones prises en compte. Alors, pour cet sous-indicateur particulier, nous le considérons comme partie de ce sous-indicateur. Alors, à ce niveau, les zones humides naturelles ne font pas partie de cette énumération. Il y a un autre critère qui relève de l'utilisation des promoteurs de croissance antimicrobienne pour la promotion pour l'élevage. Alors, est-ce que l'exploitation produit des cultures ou des spéculations ou des animaux qui sont certifiés au bio ou ont un processus de certification en cours? Donc, vous verrez que c'est des informations qui ont été déjà recueillies et par rapport aux questions déjà indiquées, vous n'avez plus à recueillir des informations parce qu'elles ont été déjà obtenues. Alors, l'autre élément, c'est de savoir quel était le pourcentage de la superficie agricole où il existe une rotation entre les cultures ou les pâturages impliquant au moins deux différentes types de pratique. Alors, à ce niveau, il s'agit des espèces d'animaux qui sont élevées. Voilà, le nombre élevé. Et nous avons une question à ce sujet également. Au total, nous avons donc 5 questions supplémentaires, mises à part celles qui ont déjà été prises en compte dans les autres sous-indicateurs. Maintenant, passons à la partie analyse. Alors, vous verrez ici, au lieu de la zone cultivable, nous prenons en compte la superficie cultivée comme dénominateur. Et ce qui nous intéresse, c'est les zones
ayant des, une végétation naturelle. Et nous diviserons simplement la zone sous végétation naturelle ou végétation diverse au niveau de l'exploitation. Rappelez-vous, l'un des critères à ce niveau pour que l'exploitation soit qualifiée, c'est la durabilité. Le premier critère, c'était que l'exploitation doit disposer de 10%, doit mettre de côté 10% de sa zone ou de sa superficie totale comme végétation naturelle ou diverse. Donc, à ce niveau, vous voyez, il est à 9%, il ne répond pas au critère numéro 1. Et ensuite, il y a cette question ou le critère qui cherche à savoir si l'exploitation produit des spéculations bio. La réponse à la question était oui, et donc ce critère est atteint. Ensuite, y a-t-il l'utilisation d'antimicrobiens importants pour promouvoir la croissance? Non. Justement, vous savez, il s'agit de décourager une telle pratique dans la production des cultures de spéculation. Ensuite, les informations recueillies pour les autres sous-indicateurs servent au critère 4. Nous devons tout simplement recueillir des informations sur les quantités physiques. Vous savez, nous en avions déjà discuté dans le cadre d'autres indicateurs et nous estimons la valeur de la production. Et ensuite, nous verrons ainsi la contribution des spéculations ou la contribution du bétail dans la valeur de production de cette exploitation ou d'une exploitation donnée. Et sur la base de ces pourcentages, pour les cultures 28% et pour les animaux ou pour l'élevage 78%, nous passons, nous indiquerons donc au moins pour ce qui concerne le pâturage, la culture, les arbres, les produits ligneux, et donc 1, 2, 3 et 4, le quatrième, l'aquaculture, ce qui contribue à la production de l'exploitation et renforce ce critère. Maintenant, par rapport à la rotation des cultures, sans indiquer un pourcentage spécifique, nous demandons tout simplement à savoir si cette pratique se fait au niveau de l'exploitation et ce critère est également atteint ou satisfait. Non. Au fait, le pourcentage est de 8%. Cela est indiqué et cette exploitation pratique la rotation des cultures à 79% de sur sa superficie totale d'exploitation et donc aura échoué. Et donc, l'information finale, le critère, le dernier critère qui porte sur les espèces localement adaptées, l'identification d'espèces localement adaptées au niveau des espèces animales. Nous avons des chevaux et des vaches.
Voici donc le tableau. Une fois que toutes ces informations sont analysées, prenons l'exploitation 1, nous procéderons ainsi critère par critère. Critère numéro 1 n'a pas été satisfait, 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 satisfait. 5 et le 6, 5 non satisfaits, 6 satisfaits. Et donc, les pratiques de biodiversité adoptées au niveau de cette exploitation, 4 sur les 6 que nous avions identifiés. Et comme vous le voyez ici, l'exploitation sera catégorisée de vert, ce qui veut dire qu'au moins il a satisfait à 3 de ces 6 critères. Et améliorer cette exploitation est qualifiée de souhaitable. Il y a une petite erreur ici. Voici à ce niveau, Stéphania, il faudra changer le nombre de pratiques de biodiversité satisfaites par cette exploitation 1, c'est 4 au lieu de 5. Le nombre total est de 4 au lieu de 5. Encore une fois, alors, le dernier tableau, les zones catégorisées ou classées en vert, en jaune, en rouge, et nous calculons ainsi la proportion conformément au niveau national. So any questions? Avez-vous des questions à poser? A-t-il des questions à poser? We have a question. Please explain. Nous avons des questions. Expliquez davantage la question de certification. Est-ce que tous les pays savent dans quel groupe ils se trouvent, bio et, ou non bio? Non. Quel pays dispose d'une certification bio et celui qui n'en dispose pas? Non, nous ne savons quel est le pourcentage de superficie cultivable qui est certifiée bio. Nous le savons. Nous recueillons ces informations des pays au fil des temps au niveau de la FAO, mais il appartient au pays de savoir s'ils veulent administrer le questionnaire lié à la certification bio. Mais dites-vous, si un pays en Afrique pourrait avoir 2 ou 3% de l'ensemble de sa superficie agricole certifiée et bio. Alors, par rapport à la question que vous seriez en train d'administrer, vous pouvez poser la question sur la certification bio. Si l'exploitation fondamentalement dispose d'une certification bio, elle répondra à la question. Sinon, si elle ne pratique pas la certification bio, cette question automatiquement sera ignorée dans le processus. Dans ce cas, il y aura des pays pour lesquels la certification bio ou les questions sur la certification bio, cette question sera posée. Alors, si cette exploitation pratique cette certification ou pas, elle prendra des mesures pour améliorer la situation ou démarrer le processus de certification. Il n'y a plus d'autres questions pour le moment. Je vais faire une pause pour
solliciter des questions, nous venons de terminer ainsi la partie relative à l'environnement. Naturellement, s'il y a des questions à ce sujet, je suis disponible à y répondre. Stéphania, je vois une main levée. Non, je n'en vois pas. Moi, je n'ai aucun message, mais vous... Non, je crois que cette main a été encore baissée. Peut-être une ancienne main qui a été levée. Okay. So let me then go to the next one. Je vais maintenant passer à la présentation suivante. So we have covered three sub-indicators in the economic. Nous avons couvert trois sous-indicateurs. Au fait, nous avions couvert la production agricole et les prix pour les cultures et le bétail. Ce qui est produit par l'exploitation au niveau de l'environnement. Nous avons posé des questions aux paysans sur les 7 indicateurs sur l'utilisation de différents intrants agricoles, que ce soit l'eau, le sol, les engrais, les pesticides. Et nous demandions aux paysans s'ils ont des pratiques jugées appropriées à la préservation de l'environnement. Ah, voilà, c'était la dimension environnementale, mais ce que nous faisions, c'est que nous analysions l'impact de l'agriculture sur l'environnement en termes de durabilité de l'agriculture. Au niveau de la dimension sociale, nous avions 7 indicateurs. Sous-indicateur, le premier était ce sous-indicateur porte sur l'énumération des ouvriers salariés tels que définis par ISCO 92. Cela porte sur les risques économiques des ouvriers et de ceux qui exercent de simples travaux par rapport à l'utilisation des outils. Transport, l'utilisation des engrais et différentes utilisations de plantation des graines, l'alimentation des animaux. Alors, à ce niveau, il s'agit de savoir combien est payé à ces ouvriers non qualifiés ou qui travaillent au niveau de l'exploitation. Et cela fait l'objet de références ou comparé au taux de salaire ou au salaire minimum payé à cette catégorie de travailleurs. Donc, en termes de calcul du taux de salaire de ces travailleurs, cela est simple. Soit le paysan sait exactement combien est payé à ces travailleurs ou il a des informations
sur l'ensemble des montants payés à ces travailleurs. Dans ce cas, il n'a aucune idée de salaire quotidien ou de la rémunération quotidienne de ces travailleurs divisé par le nombre total d'heures travaillées divisé, multiplié par 8 pour garantir, pour obtenir le taux journalier. Le critère proposé pour sous cet indicateur est tout à fait simple. Si le salaire payé est au-delà du SMIG ou si les deux sont disponibles, nous allons le catégoriser de vert. Si l'exploitation ne loue aucun service de ces travailleurs non qualifiés, sera classé parce que nous n'allons pas pouvoir évaluer la durabilité de ces travailleurs sur le terrain et seront catégorisés ainsi de jaune ou acceptable si le montant payé est égal au SMIG ou ce qui est payé au niveau du secteur agricole. Et l'exploitation est de rouge si ce qui est payé est en deçà du SMIG. Sur la base des informations disponibles ou obtenues, vous savez, l'exploitation agricole a un statut de durabilité son opération est qualifiée de ou catégorisée de vert, jaune ou de rouge et fait l'objet de classification appropriée. Je vais maintenant passer à la feuille ou au tableur, au fichier Excel. Alors, quelles questions devrions-nous poser pour obtenir ou satisfaire cet indicateur? La première question est de savoir est-ce que cette exploitation recrute des travailleurs pour entreprendre de simples tâches ou des routines simples. Alors, ces tâches ou routines simples doivent être expliquées aux répondants pour leur permettre d'avoir une idée claire de ce que nous entendons par ces routines ou ces tâches simples. En fonction de l'explication qu'il aura donnée ou qu'elle aura donnée, il dira oui ou non. Si la réponse est oui, nous passons à la question suivante, à savoir combien est-ce qu'il est payé en moyenne en liquide ou en espèces ou en nature à ses travailleurs par jour. Alors, l'information sera ainsi, la réponse sera ainsi obtenue. Et si l'exploitation nous donne des informations sur le montant total annuel payé aux travailleurs, à ces travailleurs qui exercent des simples activités, nous verrons combien d'heures ils auront travaillé et nous calculerons le salaire quotidien ou le montant quotidien. Et même si l'exploitation a des informations directes à ce sujet, nous obtiendrons cette information. Voilà, pour les autres, les questions sont les mêmes pour les 7 indicateurs par rapport au recenseur. Alors, employés recrutés, oui. Nombre de jours neuf, salaire minimum, soit au niveau du SMIG ou ce qui est déterminé dans le secteur agricole.
nous allons procéder ainsi et déterminer le si ces éléments existent et si cela est égal à cette eau, si ces éléments existent, vert, si cela est égal ou en deçà, jaune, et voilà. Seule une exploitation paye des salaires au-delà du SMIG. Voilà, et donc est catégorisée ou classée en vert. Et je crois que le reste vous est clair. Et nous avons agrégé les différents domaines avec différentes couleurs en définissant la proportion de la zone cultivable. Alors, il va falloir expliquer. Zouvi voudrait avoir des explications sur le facteur de multiplication par 8 dans la formule proposée. Hello, Sanjar. Yes. Okay. So maybe you want to explain the formula again. Okay. So I thought there is a question. Okay. That was the question. To go back here and. Quelle est ta question? Okay, I thought there is an explicit question and okay. In any case, so there are two ways for us to collect information. Il y a deux moyens pour la collecte des informations relatives au salaire des ouvriers. Les ouvriers ont des activités directes et simples. Il y a deux moyens. Premièrement, c'est de se demander quelle est la valeur moyenne des salaires payés par la ferme aux ouvriers. Maintenant, si l'exploitant connaît le salaire moyen quotidien payé en devise locale, alors c'est fini, ça résout le problème. Vous obtenez l'information par rapport au salaire quotidien. Il est également possible qu'il dise, bon, moi, je ne sais pas combien je paie pour les ouvriers qui font des activités très basiques. Mais voici le montant que je paie à tous les ouvriers à la fin de l'année. Disons, par exemple, je paie 10 000 unités en devise locale à tous les employés ou ouvriers. Et dans ce cas, puisque nous avons besoin d'avoir une idée du montant quotidien, nous demandons alors, quel est selon vous le nombre d'heures moyennes que les ouvriers travaillent par an? Cela nous donne alors une estimation globale, ce qui nous permet d'obtenir, grâce à la division, le montant payé par heure aux ouvriers basiques. Et puisque nous avons besoin d'avoir le salaire quotidien, eh bien, nous multiplions cela par le nombre d'heures qu'ils ont par journée de travail, c'est-à-dire 8 heures. 8 heures, c'est le nombre d'heures moyennes d'activité champêtre. Donc, nous multiplions cela par 8 pour obtenir la valeur par jour. Donc, si nous ne pouvons pas obtenir directement le montant ou le salaire quotidien des ouvriers, eh bien, nous sommes obligés de procéder, passer par le montant
annuel, ensuite le nombre d'heures qu'il travaille par an divisé par le nombre de jours pour obtenir premièrement le nombre total par jour et divisé par 8 pour pouvoir déterminer la valeur de son salaire journalier. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur Alex, vous voulez intervenir? Allez-y. Merci, Stéphania. J'aimerais savoir quelque chose. Au cas où dans un pays, nous ne connaissons pas le salaire moyen, comment est-ce que nous allons nous y prendre? Une fois encore, comme je l'avais dit hier, lorsque vous posez la question à l'exploitant, il serait en mesure de vous donner la réponse parce que, bon, le salaire moyen dépendra des régions et des pays. Mais le fait est que l'essentiel, c'est de savoir si son salaire moyen est au-dessus ou en dessous du SMIC national. Et à moins que nous ajoutions cela à cette question, nous ne pourrions pas être en mesure de savoir ce qu'il en est. Maintenant, ce qui concerne le salaire minimum dans le secteur agricole, souvent ces informations sont disponibles. Ces salaires sont prédéterminés par le gouvernement et conformément à la loi, chacun a le droit de percevoir exactement ce montant, voire plus. Donc, dans chaque pays, il y a des lois qui obligent les employeurs à payer un salaire minimum, que ce soit dans le secteur agricole ou tout autre secteur. Maintenant, en ce qui concerne le secteur agricole, il est évident que nous ne pourrons pas savoir d'avance ce qu'il en est, à moins que nous posions la question aux exploitants. C'est eux qui pourront nous dire exactement combien ils paient. Okay, thank you. Merci. Nous avons une autre question de M. Duvia. Il dit que normalement, il faudrait également considérer la possibilité où l'ouvrier est payé un montant en liquidité et également obtient la nourriture et autres. Oui, justement, dans le guide, ceci a été pris en considération. Lorsque vous prenez le manuel de l'énumérateur et le guide méthodologique, ce point a été bien expliqué. Le salaire moyen, ce n'est pas simplement la liquidité qu'il reçoit, mais cela inclut également les montants qu'il reçoit en nature. Ou le salaire qu'il reçoit en nature, plutôt. Merci. Puisqu'il n'y a pas d'autres questions par rapport à ce sous-indicateur, nous pourrons avancer. Now, food insecurity experience scale. Maintenant, l'indice de l'expérience de l'insécurité alimentaire ou FUS, il s'agit de 2.2, c'est-à-dire que cela a déjà une méthodologie bien établie et fait l'objet de collecte périodique par les pays qui font un rapport par rapport à ceci. Cela cherche à mesurer à quel niveau
l'exploitant se sent menacé par l'insécurité alimentaire et ce, malgré sa production agricole. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la manière dont l'on peut déterminer le niveau d'insécurité alimentaire parce que, premièrement, plusieurs d'entre vous, certainement, savez déjà comment le faire. Deuxièmement, parce que nous n'avons pas assez de temps. Et troisièmement, parce que ce sous-indicateur a déjà fait l'objet de plusieurs cours en ligne devant vous permettre de pouvoir facilement connaître sa méthodologie. Toutefois, je vais présenter brièvement sa méthodologie et vous renvoyer aux différentes publications de la FAO et autres institutions en ce sens. Comme vous le voyez sur cette diapo, contrairement aux autres sous-indicateurs qui portaient sur tous les types d'exploitation, ce sous-indicateur s'applique uniquement aux fermes ou exploitations des ménages. FIES est une matrice de l'expérience de l'insécurité alimentaire qui a été conçue pour mesurer des traits ou caractéristiques mesurables suite aux réponses des personnes fournies à 8 questions relatives à la disponibilité de la nourriture. Premièrement, la question porte sur la disponibilité de la nourriture pour le ménage ou le répondant. Ensuite, cela porte également sur l'évaluation de manque d'aliments ou de nourriture au niveau des exploitations et menaces. Voici les 8 questions qui sont utilisées pour recueillir ces informations auprès des fermes de ménage. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chacune de ces questions parce que l'explication détaillée se trouve dans le document PDF qui est ajouté à cet exposé. Si le lien que vous avez à votre niveau ne marche pas, nous allons vous envoyer le lien. Une fois que vous obtenez les données issues de ces 8 questions, l'étape suivante est de préparer les données pour l'analyse et vous utilisez les normes relatives à FIES. Je fais cette présentation en supposant que vous connaissez un peu ce sous-indicateur FIES. Au cas contraire, nous allons vous envoyer les documents et outils nécessaires pour mieux vous familiariser avec ce sous-indicateur. Deuxièmement, les données sont entrées dans les modèles préparés par la FAO pour des estimations des paramètres, c'est-à-dire l'expérience d'insécurité alimentaire associée à chaque question et les réponses fournies par les répondants. Nous avons calculé 2 paramètres. Le premier, c'est les paramètres des éléments qui est encore connu comme paramètres des difficultés. Et cela fait référence et dérive de 8 questions. Et ensuite, les paramètres des répondants et qui fait référence ou dérive du nombre de personnes qui ont répondu à la question.
Ensuite, la troisième étape, c'est la validation statistique. Et là, nous estimons les différents paramètres, c'est-à-dire nous vérifions si les données sont en diapason avec les théories que nous avons. Ensuite, nous passons au calcul de l'état de durabilité de l'exploitation, c'est-à-dire que nous, le niveau d'expérience d'insécurité alimentaire exprimé par chaque répondant sur la base des réponses fournies aux questions, cela nous permet de définir le statut de l'exploitation, c'est-à-dire les trois couleurs jaune, rouge et vert. Je vais mieux présenter ce que nous avons sur la base des données collectées. Nous préparons l'analyse. Chacun des éléments des données sont codés. Deux est utilisé pour pas de réponse et un pour une réponse positive. Après la codification, les labels normalisés sont utilisés. Donc, nous remplaçons les oui et les non par leur code. Ensuite, nous utilisons les labels, comme vous voyez ici. Ceci varie d'une exploitation agricole à une autre, mais cela ne compte pas vraiment. Nous avons inquiet, en bonne santé, peu d'aliments et saute la nourriture, affamée, ainsi de suite. Une fois que les données sont bien codifiées et les étiquettes appropriées sont utilisées, l'étape suivante est de passer à l'estimation des paramètres. La méthodologie qui soutient l'estimation des paramètres relatifs à la prévalence de l'insécurité alimentaire est basée sur la théorie de réponse par élément. Ceci permet d'analyser les réponses données aux enquêtes. L'IRT ou cette théorie est une mesure quantitative des constructions non observables qui découle de différentes caractéristiques latentes. Ensuite, le modèle RASH est utilisé. Les paramètres par élément ou difficulté est catégorisé par le moins sévère vers le plus sévère, c'est-à-dire lorsque quelqu'un passe toute une journée sans manger, par exemple. Ces paramètres sont estimés suivant les paramètres. Ce que vous avez besoin de faire, c'est d'entrer les données dans le modèle. Et le modèle lui-même va générer tous ces paramètres. Après quoi, les paramètres des répondants sont utilisés en utilisant les scores bruts. Il s'agit d'un nombre positif qui est entre 0 et 1. Un point important qu'il faut garder à l'esprit, c'est que chaque répondant va répondre oui au même type de question. Quelles que soient les questions posées, nous devons avoir le même score brut. Il s'agit là d'une mesure ordinaire qui veut dire que quelqu'un qui a une note brute de 4 vit une situation plus difficile que quelqu'un qui en a moins.
Mais toutefois, cela ne permet pas de déterminer avec précision la condition d'insécurité alimentaire de la personne. Ce modèle, une fois encore, nous aide à générer les estimations de paramètres, les erreurs normalisées et autres. Une fois que tous ces paramètres ont été estimés, le taux de prévalence de l'insécurité alimentaire peut être déduit à travers le document Excel élaboré par la FAO. Ce document est disponible ici. Permettez-moi de résumer tout ce que je viens de dire. Vous incluez ces questions dans votre questionnaire, vous obtenez des réponses oui ou non auprès des respondants, et ce sur les 8 questions. Vous attribuez des codes et des étiquettes à ces questions. Ensuite, vous entrez ces réponses dans le modèle qui vous donne les paramètres par élément et des répondants, tout en tenant compte des marges d'erreur et autres. Vous utilisez l'information générée par le modèle RASH que vous incluez maintenant sur la feuille qui a été préparée par la FAO pour déterminer le niveau de sévérité de l'expérience de l'insécurité alimentaire. Donc, nous incluons ces informations dans la feuille Excel. Nous incluons les paramètres de difficulté ici. Nous incluons les paramètres des répondants ainsi que les marges d'erreur et la fréquence sur la même feuille Excel. Le tableau va nous aider à générer la probabilité d'avoir une situation d'insécurité alimentaire sévère ou modérée pour chacune des exploitations agricoles, et ce sur la base des réponses obtenues à travers le modèle Rashev. Ou plutôt, sur la base de chaque score brut obtenu, l'on peut savoir les situations sévères, moyennes et modérées. Une fois que ces probabilités ont fait l'objet d'estimations, ce que nous avons besoin de faire, c'est d'attribuer les statuts de durabilité à la ferme. Comment allons-nous nous y prendre? La ferme sera considérée comme moyennement expérimentant de manière moyenne l'insécurité alimentaire si son pourcentage est moins de 0,5 et la probabilité d'avoir une situation sévère d'insécurité alimentaire est moins de 0,5. Dans ce cas, la ferme est en vert. Si la probabilité de faire face à l'insécurité alimentaire est supérieure à 0,5 et la probabilité d'avoir une insécurité alimentaire sévère est moins de 0,5, alors nous classons cette ferme au niveau jaune. Comment le faisons-nous? Une fois que nous utilisons le modèle pour chaque ferme agricole, parce que nous posons la question au propriétaire de l'exploitation. Maintenant, sur la base du score brut, nous serons en mesure d'attribuer des probabilités d'insécurité alimentaire. Comme vous pouvez le voir ici, pour la ferme numéro 1, le score est 0 et la probabilité
d'insécurité alimentaire moins modérée et sévère est donc zéro. Par conséquent, cette ferme est considérée comme souhaitable, donc en vert. Donc, comme vous pouvez le voir, la probabilité d'avoir les deux types de sécurité alimentaire, lorsque c'est inférieur à 0,5, nous catégorisons cette ferme en vert. Allons à la ferme numéro 4. Pour celle-ci, le score brut est 4. C'est-à-dire que 4 réponses ont, ou plutôt nous avons obtenu 4 réponses positives à partir du questionnaire. Sur cette perspective, la probabilité d'être modérément ou sévèrement affecté par l'insécurité alimentaire est de moins 7. Et par conséquent, cette ferme est classée comme acceptable. Et le dernier, le 13, en bas, a donné une réponse positive, a donné 8 réponses positives aux questions relatives à cette expérience. Et par ce conséquent, la probabilité est supérieure à 0,5 et par conséquent est classée non durable. La dernière partie est pratiquement la même chose que pour les autres sous-indicateurs. Nous estimons la somme des zones en vert, jaune et rouge. Nous divisons cela par la zone totale cultivée pour pouvoir obtenir le pourcentage par couleur. Je vais m'arrêter ici parce que j'avoue que cette partie est assez complexe, surtout l'aspect analyse. Ce que je vais vous recommander, c'est que si vous ne maîtrisez pas la méthodologie de ce sous-indicateur, je vais vous inviter à prendre les cours en ligne relatifs à ce sous-indicateur afin que vous puissiez mieux maîtriser les différents concepts et terminologies que je viens de partager avec vous. Une fois que vous faites cela, vous verrez que les choses seront beaucoup plus claires et plus faciles à comprendre. Si après cela, vous avez toujours des questions, vous pouvez toujours nous contacter et nous nous chargerons de vous répondre ou alors nous vous renverrons aux personnes appropriées. En attendant, si vous avez quelques questions que ce soit, vous pouvez les poser. Merci. Pas de questions pour l'instant. Peut-être que après l'étude de la feuille Excel, il y aurait des questions. Voyez-vous, je vais me répéter à ce niveau, c'est-à-dire nous intégrons les questions. Donc, nous intégrons les 8 questions dans le module du questionnaire. Nous avons essayé d'obtenir les réponses des propriétaires des exploitations agricoles. Nous avons une question. À vous de me dire si vous voulez terminer ce que vous faites ou vous voulez prendre. Bon, dans ce cas, permettez-moi de terminer ce que j'allais dire et nous allons prendre la question. D'accord. Donc, comme je le disais, nous incluons les 8 questions dans le module du questionnaire. Nous obtenons les réponses auprès des propriétaires des exploitations. Il y a un point important sur lequel j'aimerais mettre l'accent. Ce sous-indicateur spécifique ne s'applique pas aux exploitations agricoles commerciales. Secondo, pour les entrevues, nous allons prendre uniquement les réponses
du propriétaire de l'exploitant. Si le gestionnaire de l'exploitant fournit des questions, eh bien, nous allons sauter ces questions. Nous ne devons pas poser ces questions au gérant de la ferme qui travaille dans ce cas pour le compte du propriétaire de l'exploitation. Rappelez-vous, dans le cadre de ce sous-indicateur, nous sommes en train d'évaluer l'insécurité alimentaire pour le ménage de cette ferme. Donc, le ménage à prendre en considération, c'est bel et bien celui du propriétaire et non du gérant. Merci. Stéphania, le participant pourrait maintenant poser sa question, s'il te plaît. D'accord, Monsieur Oulaye, vous avez la parole. Mr. Fayon Oulaye, you had a question. You have the floor if you want. Monsieur Oulaye, vous avez la parole. Yeah, no, I was. Can you hear me now? Can you hear me now? I cannot hear you. Oh. Okay. Wait. Okay, let me say, tell me if now it's better. Yes, yes. Okay, so I was calling Mr. Oulaye, but... Je donnais la parole à Monsieur Oulaye, mais il a sûrement un souci avec son micro. Alors, Monsieur Oulaye, vous avez la parole. Monsieur Sayon Oulaye. Absanja, allez-y. Il n'arrive pas à parler. Alors, alors, merci. Ok, allez-y. Bonjour. Ok. J'ai deux questions. La première question, bon, le présentateur, il a parlé tout de suite de la complexité de cet indicateur. Il dit que si nous n'arrivons pas à comprendre, ils vont nous envoyer sur le cours en ligne. Je voudrais savoir, est-ce que ces cours en ligne sont en français? Parce que nous sommes des francophones. Et pour bien saisir, parce que le cours là, c'est très intéressant, sont très intéressants. Donc, si c'est dans notre langue de communication en français, ça serait mieux. Et deuxièmement, bon, est-ce que tous ces questionnaires-là, c'est la même chose, c'est, comme je vois ici, ça c'est en anglais. Et bon, est-ce qu'on peut avoir version française? Enfin, si je comprends tout, durant tout ce temps de cette formation, la collecte, est-ce qu'on peut collecter cet indicateur 2.41 chaque année? Parce que ce que je vois, c'est par rapport pour la source de données, c'est les enquêtes. Est-ce que les enquêtes demandent des dépenses de l'argent, le débouchement de l'argent? Est-ce que chaque année, c'est qu'il faut faire les enquêtes? Je crois bien chez nous, en Afrique, c'est pas possible. Donc, c'est pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci beaucoup. So, thank you very much. Merci infiniment. Je dirais clairement que cet exercice que nous vous présentons ici sera disponible en français après cette formation. Je l'avais dit hier et avant-hier. Je vous rassure que vous aurez la version française du tableur ou du fichier Excel immédiatement après cette formation et dans quelques semaines. Pour ce qui concerne la collecte des données sur l'indicateur 241, je vous informe qu'il ne s'agit pas de faire cette collecte chaque année. Et il faudra plutôt les collecter chaque 3 ans. Nous savons que les informations, bien qu'elles soient importantes, sont trop nombreuses ou trop beaucoup pour qu'on les collecte chaque année.
Mais ensuite, la durabilité est un concept qui ne changera pas d'une année à l'autre. Et sur ce, il faudra comprendre que la collecte des données chaque 3 ans suffira. Nous attendons tout simplement que le pays recueille des informations sur cet indicateur dans une période de 3 ans. D'accord? I believe so. Yes, I believe so. It's available in French. Oui, je crois que si cela est disponible en français, oui, oui. Je suis en train de vérifier si l'exercice est déjà disponible en français. Partagez le lien avec les participants francophones. Est-ce que je peux lire ou dire que je suis en français? Qu'on a montré en anglais, mais toutes les questions qu'il est en train de montrer sur la gauche, donc par l'analyse, sont déjà traduites en français. J'ai envoyé les liens hier, je vais l'envoyer encore aujourd'hui, donc ça s'appelle le questionnaire qui sera dans les mains des enumerators. Je ne rappelle pas les noms en français, mais donc cette questionnaire a été déjà traduit en français. Mais bien sûr, comme Alexandre a dit, on va traduire aussi l'exercice et vous envoyer la version française dès que sera possible, ainsi comme toutes les présentations. Okay, we have another question. I think that this question is going to be answered by une autre question, mais je crois que cette question trouvera réponse après l'analyse des indicateurs par Sanja. Alors, il demande quel est le résultat ou le score qu'on attribue à ces différents critères. Alors, comme vous le voyez ici, ce que j'avais expliqué déjà dans le cadre de la présentation, comme vous le voyez ici, sur la base des réponses fournies par les individus, nous avons bien libellé les données. Le score attribué à ce niveau est de 4 et 4 réponses ont été positives. Et conformément, le même exercice être fait au niveau des exploitations en fonction des réponses ou en fonction des questions auxquelles ils ont apporté des réponses. Comme vous le voyez ici, nous avons une liste de approximativement 14 exploitations agricoles. D'accord? Ensuite, ce que nous allons faire, nous devrions intégrer cette information dans un tableau qui est déjà conçu par l'équipe de la FAO et nous allons libeller chaque réponse conformément aux réponses aux questions pour lesquelles l'exploitant a apporté des réponses, ou le propriétaire de l'exploitation a déjà apporté des réponses. Alors, comme vous le voyez ici, le lien à l'application FIES et le manuel existent déjà. Cette question relève de réponses, je ne sais pas. Et toutes ces questions seront éclaircies dans ce manuel. Je vous proposerai donc d'abord de suivre toutes les
11 leçons qui certainement sont disponibles en français. Et puis, utiliser l'appui, le document d'appui sur l'indicateur qui vous donnera toutes les informations dont vous aurez besoin pour vous permettre d'estimer les critères de FIES ou les indicateurs de FIES. Alors, une fois que nous importerons toutes les données dans le modèle, cela nous aidera à calculer les paramètres de difficulté, les erreurs de standard. Qu'est-ce que nous entendons par infit et outfit? Ce sont des estimations qui indiquent si les données collectées, à savoir si elles sont bonnes à analyser sur la base des notes ou des scores appropriés ou inappropriés par rapport à celles que nous avions obtenues sur le terrain avant de procéder à l'analyse. Il y a une certaine gamme pour les réponses pour qui détermineront si cet ensemble de données doivent nous permettre d'évoluer ou de ne pas s'y fier. Alors, nous avions estimé le paramètre de capacité, la note ou le score brut, et nous avons estimé les paramètres, les difficultés, les notes propres et impropres, et toutes les estimations seront générées par le modèle lui-même. Et le manuel vous aidera à comprendre quels sont les niveaux qui sont acceptables par rapport aux notes qui sont ici affichées. Alors, une fois que ces données sont disponibles, ce que vous avez à faire, c'est de télécharger ce modèle Excel. Encore une fois, cela est créé par l'équipe FIES, dont le lien se trouve là. Et mis à part les données généré par l'application FIES que vous avez déjà téléchargée. Voilà donc l'application qu'il faut télécharger et insérer toutes les informations dans cette application en utilisant ce manuel qui vous donne une idée sur comment procéder. Vous allez donc générer ces statistiques et ces statistiques. Et vous devrez télécharger ce modèle d'Excel développé par l'équipe FIES de la FAO. Et vous devriez insérer le paramètre de probabilité, les erreurs standards, les fréquences et les scores bruts pour vous permettre d'estimer la probabilité de la sécurité alimentaire grave et la probabilité de alimentation modérée ou grave. Nous sommes intéressés au ménage 4. Donc voilà, à ce niveau, tant avant cette étape, le SDG, les ODD 2 est pratiquement identique aux ODD 2, 4, 1, au cadre de l'ODD 2.4. À ce niveau, ce dont nous avons besoin, c'est de nous focaliser sur celui-là. Allons en haut pour voir de quoi il s'agit. La note ou le score brut des répondants que l'exploitation 1 nous a donné était 4. Nous passons à ce niveau. D'accord? Alors ici, nous verrons ce que c'est que les deux probabilités
liées à la note brute, au score brut de 4. Parce que sur la base de ces probabilités, nous aurons assigné les ménages de propriétaires de l'exploitation. Et cela permet d'identifier le statut de durabilité au sein de cette exploitation. Donc, vous voyez ici que c'est une propriété. Alors, 0,6 et 0,26. Alors, focalisons-nous sur cette partie ou ces éléments pour l'instant. Donc, nous avions associé les probabilités parce que cela nous a donné des réponses formatives et sur la base des conditions ou des critères retenus pour ce sous-indicateur, comme vous le voyez ici, l'exploitation sera catégorie de vert. Et si la probabilité du détenteur du ménage de l'exploitation est modérée ou une alimentation modérée ou grave, ou inférieure à 0,5. Alors, vous voyez ici, la probabilité est supérieure à 0,5 et la probabilité de l'alimentation grave est plus supérieure à 0,6. Et donc, cette exploitation sera classée de jaune parce que la condition est que si la probabilité du ménage ou du détenteur du ménage de l'exploitation est classée de modéré ou grave, l'insécurité est donc supérieure à 0,5. Et donc, la probabilité pour la sécurité alimentaire grave est de moins 5, et donc classée de jaune, et etc. Et sur la base de ces conditions et sur la base des tableaux que nous avons ici, nous pouvons facilement commencer à assigner les données aux exploitations. Le dernier, c'est le même. Nous pouvons associer cette information à la superficie cultivable de l'exploitation avec une agrégation en vert, jaune, rouge en fonction de l'exploitation ou la superficie cultivable de l'exploitation. Je vais m'arrêter à ce niveau. Je voudrais répondre à la question posée. Alors, passer à la question 5, s'il vous plaît. Comme le disait Sandhya, dans le manuel FIES, vous trouverez les détails. Et donc, vous verrez ici tout ce qui est reproduit ici. Mais l'étape 5, ici, si un répondant dit « je ne sais pas » ou « je ne veux pas répondre », cela sera classé de A. Et si vous insérez le tableau dans l'application de FIES, ce ménage, le ménage de cette exploitation sera inclus dans l'analyse par l'application elle-même. Ensuite, M. Ba pose une autre question, il voudrait savoir. C'est la différence entre ce calcul et le FIES lui-même. OK. Il voulait établir la différence. La différence entre ce sous-indicateur dans le cadre de l'ODD 2.4 et l'indicateur FIES. En fait, il y a deux éléments qui sont différents. La première chose, c'est que l'indicateur FIES qui collecte des informations sur l'ensemble du pays, quel que soit ou que les gens appartiennent au secteur agricole. Alors, ces estimations, d'abord, sont sur l'ensemble pour l'ensemble du pays. Dans le contexte de l'indicateur 2.4.1,
en intervivant le secteur agricole ou les ménages au sein des exploitations, nous serons en train de demander ces informations ou de poser ces questions aux détenteurs des exploitations. Et ainsi, les estimations qui sont générées dans le contexte de l'ODD 241 ne sont pas représentées sur l'ensemble du pays par rapport à la sécurité alimentaire grave. Cela vous donne une information dans le contexte du secteur agricole pour les ménages impliqués dans la production de spéculation agricole. Cela ne nous donne pas une image de l'ensemble du pays. Voilà donc la différence entre les deux indicateurs. Le deuxième point est que la partie de calcul. Alors, FIES, une fois que nous avons les deux probabilités qui existent en utilisant le modèle de fichier Excel, cela vous donne automatiquement la probabilité au niveau national sur la sévérité de, ou la gravité de la sécurité alimentaire. Mais si cela va au-delà, cela retiendra ces deux probabilités et le score brut pour assigner les exploitations, les statuts de durabilité alimentaire des exploitations. Voilà donc la différence entre les FIES et les FIES dans le contexte de l'ODD 241. Les estimations FIES sont nationalement représentées. Les estimations de 0241 de FIES sont seulement destinées aux ménages qui sont impliqués dans le secteur agricole ou dans la production agricole. Maintenant, l'approche, la méthodologie sont les mêmes, mais la seule chose, c'est la couverture. La couverture et l'assignation de la durabilité par rapport à cette probabilité au niveau des ménages vis-à-vis des scores attribués. Voilà donc la différence. Merci, Sanja. Nous n'avons plus d'autres questions. Oui, Monsieur Barret, vous avez la parole. Monsieur Barret. Merci beaucoup pour l'éclaircissement que vous venez d'apporter. Par rapport à ce que vous venez d'expliquer, pourrions-nous mener cette collecte de données pour cet indicateur de 4.1 et de, est-ce que c'est pour cette sous-indicateur, pourrions-nous procéder simultanément à la collecte des données, bien que l'un porte sur la couverture, tout juste pour nous permettre d'épargner des ressources et ne pas éliminer certaines redondances. Merci pour cette question. Oui, vous pouvez en réalité procéder à une collecte simultanée de ces données. Le seul souci serait que si vous êtes en train de collecter des informations sur question dans un sondage national, ce ne serait plus une enquête agricole, mais une enquête sur les ménages. Et dans ce cas, vous devriez mettre l'accent sur le fait que les données des ménages agricoles impliquées dans le secteur agricole sont représentées de manière à ce qu'une fois que ces estimations sont obtenues pour ces ménages impliqués dans le secteur agricole, soient véritablement représentatives. J'espère que vous m'aviez compris. Donc, dans l'échantillon national utilisé pour recueillir des informations sur FIES, les ménages agricoles impliqués dans les activités agricoles doivent avoir une certaine reconnaissance afin que les estimations générées au niveau national
que cette statistique agrégée pour ces ménages agricoles impliqués dans la production agricole, que cette partie soit suffisante pour nous permettre de faire une évaluation de la durabilité agricole sur le plan national. C'est le seul point qu'il faut prendre en considération. Sinon, la collecte simultanée peut être opérée. Okay, it's clear, so cela est clair. Nous pouvons passer au dernier indicateur. Okay. D'accord. Voici un indicateur garanti du droit foncier à la terre. Et ce indicateur permet l'accès de la durabilité des droits ou des droits à la terre, puisque la terre agricole est un élément ou un facteur important pour la production agricole. Ayant ce droit, cela permet à l'exploitation d'avoir un contrôle sur ses avoirs et éviter la perte de cette exploitation à court et à long terme. La preuve nous fait comprendre que les paysans peuvent être moins productifs puisqu'ils sont, ils s'empêchent d'investir sur une terre sur laquelle ils n'ont pas accès et engager des services, surtout sur cette terre. Et donc, la manière dont ce sous-indicateur, le seuil de cet indicateur sous-indicateur déterminé est très simple. Nous avons un ensemble de 4 questions que je vous ferai voir par moment. Et sur la base des réponses obtenues sur ces 4 questions, nous déterminons si cette exploitation a une garantie de droit foncier. Alors, pour que ce seuil soit vert, il faudrait qu'il y ait un document formel avec le nom du détenteur ou l'appellation de l'exploitation là-dessus, ou que l'exploitation a le droit de vendre ou de transmettre une partie ou une parcelle de l'exploitation. Et si ces conditions sont remplies, et elle aura une couleur verte. Elle aura un statut jaune si elle dispose de documents formels, même si le nom de l'exploitant ou de l'exploitation ne s'y trouve pas. Et l'exploitation sera rouge si elle n'a aucun document formel et n'a aucun droit à transmettre une parcelle à qui que ce soit. Dans ce cas, l'exploitation sera classée de rouge. Voici donc les données que nous avions illustrées à partir du cas pilote du Bangladesh. Alors, la première partie, c'est de savoir si vous avez la première question, est-ce que vous avez un document ou un titre sur l'exploitation? La réponse était oui, au niveau de la première exploitation. La question suivante, est-ce que le nom de l'exploitation se trouve sur le document? La réponse est oui ou non. Ensuite, il s'agit de savoir si vous avez le droit de vendre ou de transmettre une partie de l'exploitation. Et donc, vous voyez, le statut a obtenu un statut de vert, un statut vert. Deuxième exploitation, il dispose de documents formels. Le nom de détenteur de l'exploitant ou de l'exploitation ne se trouve pas sur l'exploitation ou sur le document, pardon. Aucun droit de le vendre, aucun droit de transmission. Et donc,
Bien qu'il y ait, un document formel qui indique que la terre est exploitée, et avec les autres réponses qui sont non, il lui est attribué acceptable. Alors, exploitation 3, il n'a rien, ni document formel, ni le nom de l'exploitation ou de l'exploitant sur le document. Ils ne savent pas s'ils peuvent vendre ou léguer une partie de l'exploitation. Et donc, c'est un statut non, il est souhaitable, et le dernier est non durable. En voilà pour tous les indicateurs. Nous avions agrégé les statuts de vert, de jaune, de rouge, en fonction des réponses obtenues. Maintenant, je vais vous faire voir le tableur. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, vous pouvez voir ici que nous posions un nombre de questions. Bien entendu, à travers ces questions, ces questions font partie du tableur et partie du modèle d'enquête que nous avions conçu. Je dis et je répète que ce module d'enquête existe déjà en français. Et cela a été partagé avec vous par Stéphania à travers le lien. Mais dans tous les cas, nous veillerons à ce que ce lien vous soit envoyé après la formation et tous les documents qui ont été présentés pendant la formation. Alors, la première question est de savoir est-ce que l'exploitant ou l'exploitation dispose d'un document formel ou pour toute partie de l'exploitation à sa possession, un document émis par une autorité. Ensuite, est-ce que le nom du détenteur ou tout membre de l'exploitation est listé comme propriétaire ou un ayant droit sur des documents légaux reconnus? Alors, oui, non, je ne sais pas, ou refuse de donner la réponse. Est-ce que le détenteur a le droit de vendre ou une partie de l'exploitation? Ou le quatrième, est-ce qu'il a le droit de léguer une partie de l'exploitation à qui que ce soit? Alors, voilà, la dernière partie, c'est la même pour le dénominateur de l'indicateur. Alors, vous verrez ici que sur la base de cet exemple, l'exploitation dispose d'un document formel, un titre par exemple, ou le nom de l'exploitant ou de l'exploitation se trouve sur le document, et il a le droit de le vendre, le droit de le léguer. Alors donc, en fonction de tout ça, il a un statut vert. Exploitation 2 ne répond à aucun des critères et donc a un statut de non durable. L'exploitation 7 dit oui, je dispose d'un document formel, mais je n'ai ni mon nom ni le nom de l'exploitation sur le document et je ne sais pas si j'ai le droit de le vendre ou de le léguer. Et donc, avec un résultat ou un statut de acceptable. Et nous allons au dernier niveau. Nous attribuons les couleurs aux différents niveaux de l'exploitation et
nous les additionnons pour obtenir la proportion de la zone cultivable. Je vais m'arrêter ici. Alors, Monsieur Barakat dit que le droit foncier est attribué par l'administration qui en détient le record. Toutefois, il n'y a pas de certificat attribué aux paysans. Ils ont ce droit, ils peuvent le louer les terres, mais ne peuvent pas les vendre. Non, maintenant, s'ils peuvent les louer, cela est considéré comme une forme de droit. C'est un droit. Et donc, toutes ces questions sont expliquées par rapport à différentes conditions et pour remplir ou répondre à ces questions. Alors, la location d'un terrain ou de la terre est une forme de droit foncier. Et donc, s'il y a une autorité publique qui attribue ce droit, qui est reconnu pour qu'il puisse s'en servir, et les léguer en partie à un ou l'attribuer à quelqu'un pour s'en servir. Et sous cet arrangement, il serait classé de jaune. En fait, il indique que dans tous les cas, ces terres sont les propriétés de l'État. Et donc, naturellement, il ne peut pas les vendre. Autre question? Je ne vois plus d'autres questions. Anja? Bien. Sur ce, nous arrivons à la fin de l'aspect méthodologique de l'ODD 241. Bien entendu, nous comprenons et nous reconnaissons que l'ODD 241 est un indicateur très complexe. C'est une collection de différents aspects liés à l'agriculture. Et vous savez, beaucoup d'informations sont nouvelles pour les pays et à faire appliquer dans la collecte des données. Ce n'est pas facile, nous le reconnaissons, mais nous avons à ce niveau plusieurs réussites. Nous avions soutenu le Népal, nous avons soutenu le Vietnam. Présentement, nous sommes en train d'aider le Pérou, la Colombie et nous allons accompagner la Thaïlande. Nous avions soutenu le Bangladesh et je peux vous donner plusieurs exemples où, avec très peu d'efforts, les pays ont réussi à intégrer les questions de l'ODD 241 dans leur instrument de collecte de données, y compris l'enquête agricole, et ont réussi à obtenir des informations sur certains des sous-indicateurs, sinon sur l'ensemble, si ce n'est pas sur l'ensemble des sous-indicateurs. Là, je voulais vous donner un autre exemple. Les informations liées au titre, au droit foncier, est captée dans un recensement agricole. Et cette information, en grande partie, est disponible dans le recensement agricole de plusieurs pays. Et c'était la question qui nous a été posée, à savoir si nous pouvons utiliser les informations de recensement pour répondre à certains de ces critères. Et bien entendu, nous avions dit oui, si vous avez des informations exhaustives pour renseigner certains de ces indicateurs dans un autre outil de collecte de données existant, que nous conseillons les pays
En fait, nous conseillons donc les pays à procéder ainsi et générer ces informations. Nous sommes persuadés que ce n'est pas tous les pays qui puissent avoir des informations sur l'ensemble de ces indicateurs ou sous-indicateurs. Nous demandons aux pays progressivement et pas à pas de travailler sur ces questions de ces 5 indicateurs et les intégrer dans des outils de recensement, peut-être l'agriculture, le recensement agricole ou les sondages agricoles ou les sources d'information agricole. Et cela prend du temps. Nous ne voulons pas nous précipiter et faire du n'importe quoi, mais nous voudrions que les pays collaborent avec nous pour obtenir davantage d'appui auprès de la FAO par rapport aux limitations au niveau de cette ODD. Vous savez, cet engagement bilatéral nous aidera à vous aider par rapport à votre capacité de signaler ou de présenter des rapports sur ces indicateurs. Vous savez, peut-être que vous ne seriez pas prêt à répondre ou apporter des réponses sur les 7 ou les 9 sous-indicateurs. Ça va, mais nous vous aurons quand même aidé à fournir des informations sur certains des sous-indicateurs. Et au fil des années, avec une collaboration mutuelle, nous saurons renforcer vos capacités d'abord à comprendre les mécanismes et la méthodologie liés à l'ODD de 4.1 et nous aurions à formuler une stratégie pour vous permettre d'abord de procéder à la cartographie ou à l'identification des insuffisances au niveau de votre capacité à recueillir des informations sur ces indicateurs et puis nous vous aiderons à vous faire comprendre les questionnaires sur l'ODD 241 et procéder à la collecte des informations sur là-dessus parce que certaines de ces réponses existeraient déjà à d'autres niveaux. Et donc, alors une fois que ces insuffisances sont identifiées, nous allons vous aider avec les questions ou les questionnaires qui seront intégrés dans l'enquête agricole et nous procéderons pas à pas et puis par la suite former le personnel pays de manière bilatérale, bien entendu, si les ressources sont disponibles. Savez-vous, nous avons vraiment travaillé de manière bilatérale avec plusieurs pays. Et le dernier point, c'est que nous travaillons avec les autorités rwandaises, le Bureau des statistiques du Rwanda. Nous allons pleinement collaborer avec eux et leur apporter une assistance bilatérale au personnel du Bureau statistique pour la collecte des données. Voilà un exemple que je voulais également vous donner. Donc, nous irions progressivement au fil du temps et nous espérons que dans quelques années, nous ferons de la mise en œuvre et de la collecte du reportage de l'ODD une réalité aussi bien au niveau national que régional. Je vais m'arrêter ici. Voilà, je crois que puisque nous sommes un peu en retard, nous devrions passer à la présentation suivante. Et Nathan est l'un de nos collègues qui vient de se joindre à cette formation. Et désolé, Nathan est un statisticien au siège de la FAO. Et
to work for 2 years as a statistician at OECD. So I leave the floor to him for presenting the next presentation on FAO-STAT. So Nathan, you have the floor. Let me know if you can share the screen. And Nathan, à vous la parole. Et faites-moi signe si vous pourrez facilement faire le partage d'écran. Bonjour à tout un chacun. J'aimerais me rassurer que vous arrivez à m'entendre. Oui, c'est le cas. Merci, parfait. Merci de m'avoir présenté. Merci à Stefania et à Asfandia pour m'avoir accordé l'opportunité de prendre la parole dans le cadre de cette formation. Je vais mettre l'accent sur le rapport pays en ce qui concerne les statistiques pour la FAO. Je mettrai l'accent sur la collecte des données en ce qui concerne ce domaine. Je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir cela. Donc, comme je l'ai dit, je vais mettre l'accent sur les statistiques agricoles devant être présentées à la FAO. Donc, je vais mettre l'accent sur les activités pays que nous avons déjà en place au sein de la FAO. Nous allons donner premièrement un contexte général pour les activités de rapport en mettant l'accent sur AFSAT ainsi que l'équipe responsable du département statistique ici à la FAO à qui justement l'on envoie les rapports d'activité. Je présenterai également un aperçu des états des lieux par pays en ce qui concerne les 3 dernières années, surtout en ce qui concerne les pays qui prennent part à cet atelier. Cet exposé devrait être mutuellement bénéfique parce que cela devrait nous permettre de voir dans quelle mesure nous pourrons améliorer les systèmes de collecte de données au niveau des différents pays. La plupart des institutions avec qui nous discutons et avec qui nous partageons les questionnaires ont été prises en compte dans mon exposé. Nous allons parler également des données qui sont partagées sur le site de notre département statistique, surtout en mettant l'accent sur l'indicateur de 4.1. Je vais en fait vous présenter le contexte général du département statistique de la FAO appelé FASAO. FASAO est une plateforme de production des connaissances de la FAO. C'est un pilier de nos activités et a été mentionné dans l'acte constitutif de la FAO. Nous faisons la diffusion de produits statistiques connus internationalement et cela met l'accent sur l'alimentation et l'agriculture dans le cadre de FAO-STAT et d'autres plateformes, à savoir FISH-STAT, qui porte sur l'aquaculture et les pêcheries, et AquaStat qui met l'accent sur l'eau et l'irrigation. Nos points focaux que nous contactons dans le cadre de nos questionnaires sont généralement des experts des bureaux nationaux de statistiques ou alors du ministère de l'Agriculture dans les différents pays. Nous les identifions également dans d'autres agences pertinentes. Comme je l'ai dit, vous qui êtes présents ici, pour la plupart, vous connaissez déjà les processus de collecte de données
ainsi que le questionnaire dont il s'agit. Dans le cadre de ceci, eh bien, les États membres envoient régulièrement le rapport à la FAO. Il y a quelques différences en ce qui concerne la date à laquelle les questionnaires sont envoyés et sont appliqués, mais toujours est-il que nous obtenons des données en ce qui concerne la production animale, environnementale et socio-économique et les questions pertinentes pour le thème de l'ODD 241. Je vais également toucher du doigt d'autres indicateurs que nous avons à notre niveau et qui pourraient être pertinents pour l'ODD 241. Et pour votre pays. Voici les processus que la FAO a mis en place pour la collecte des données et le rapport en ce qui concerne l'alimentation et l'agriculture. Souvent, par an, nous avons les questionnaires au point focal dont nous avons fait mention un peu plus tôt. Nous faisons la diffusion sur FastStat, qui est notre plateforme. Nous les offrons dans différentes langues de l'ONU et nous couvrons plus de 245 pays et territoires. La disponibilité des données au fil des années est différente en fonction des domaines qui font l'objet de notre étude. Mais depuis 1961, jusqu'à maintenant, nous obtenons des données des pays. Il faut que ces données soient envoyées, traitées et ventilées sur InfoStat. Les domaines couvrent, dans le cadre de cet exposé, la production, le commerce, l'équilibre alimentaire, la sécurité alimentaire, les prix, les intrants, la population, l'investissement, les statistiques macro, les indicateurs environnementaux et agricoles, les équipes d'experts font également les calculs sur la base des données qui proviennent de du site de notre département statistique, mais aussi des autres domaines clés. Les outils de diffusion sont en l'occurrence notre page web, nos publications qui proviennent des universitaires, parce que certains de nos les experts statisticiens proviennent du domaine universitaire, mais nous avons également des situations où des compagnies font la diffusion des données de notre département. Pour cela, chaque année, nous accompagnons la ventilation d'un document statistique. Nous mettons l'accent sur les tendances clés ainsi que données importantes, que ce soit au niveau régional, que national et mondial. Il y a également des documents de travail qui définissent en détail les méthodologies qui sont utilisées pour la diffusion des données sur le site web, ainsi que nos documents de statistiques annuels qui présentent l'aperçu des tendances au niveau international. Les équipes chargées des domaines sur lesquels nous mettrons l'accent sont l'équipe de
de l'équipe de statistiques environnementales dont moi je fais partie, l'équipe de statistiques sociales et économiques ainsi que l'équipe de statistiques pour l'élevage, l'agriculture et l'alimentation. Pour l'équipe de statistiques environnementales, nous avons l'utilisation des terres, les pesticides, les engrais. Pour l'équipe sociale et économique, nous avons les prix, dépenses. Et pour l'environnement, ce que nous faisons, c'est de mettre en place des questionnaires, deux questionnaires qui sont envoyés annuellement. Et cela nous permet d'obtenir les données. Par contre, l'équipe de statistiques élevage, agriculture et alimentation produit des données brutes auprès de l'ONUSD. Et ces données portent sur les produits alimentaires agricoles, excluant les poissons. Nous mettons également l'accent sur les équilibres alimentaire, qui est également un aspect important de nos activités, parce que cela joue un rôle important en ce qui concerne la sous-alimentation. Mais également l'utilisation des données relatives au commerce, la production, c'est-à-dire la disponibilité des cultures et des produits agricoles ainsi que d'élevage. Nous penchons également sur les pertes qui sont également importantes pour les ODD, les semences, l'alimentation des animaux, ainsi de suite. Nous pouvons également inclure des données complémentaires provenant de différents acteurs. Voici la page de garde de l'un des questionnaires qui porte sur la production et l'utilisation des produits agricoles et d'élevage. Ici, vous avez les contacts du chargé du rapport. Nous avons ici le nom, le bureau, l'adresse, ainsi que le téléphone et autres contacts de la personne. Une fois encore, j'aimerais mettre l'accent sur le fait que certains de ces contacts doivent également prendre part à cet atelier ici. Donc, j'aimerais également vous montrer ceci. Il s'agit du questionnaire, mais avec beaucoup plus de détails. Ce que j'aimerais faire pour l'instant, c'est que, par exemple, pour l'utilisation des terres, ce questionnaire est un peu obsolète. Donc, j'aimerais mettre l'accent sur le fait que nous ayons la version française et anglaise. Il y a les différentes sections qui portent sur les pratiques d'agriculture, d'irrigation, de pêcherie et autres. Maintenant, lorsque vous ouvrez le questionnaire, un autre élément sur lequel j'aimerais mettre l'accent, c'est justement dans la section de retour d'informations, nous avons un domaine où le contact avec le point focal avec qui l'on envoie le questionnaire peut faire des commentaires relatifs au fait que le questionnaire ait été adressé à la personne appropriée ou pas. Nous invitons les pays à répondre à ce questionnaire et à faire leurs commentaires. Cela nous permet de renforcer le système de reportage relatif aux
différents questionnaires. Nous comprenons les difficultés associées à l'obtention de certaines de ces données statistiques en utilisant les questionnaires. Parce que les pays nous font des retours d'informations, nous disent qu'ils ne sont pas en mesure de fournir des données actualisées par rapport à certains domaines. Lorsque une autre institution pertinente est en mesure de fournir de telles données, nous invitons le pays ou le gouvernement à préciser ces institutions. Maintenant, je retourne à mon exposé. So I opened just briefly the land use questionnaire. This is the cover page for the pesticide. Voici comme je le disais, la page de garde du questionnaire que nous partageons en ce qui concerne l'utilisation des pesticides en agriculture. Et nous parlons également des principaux types de pesticides, y compris l'utilisation globale des pesticides, y compris les herbicides, les insecticides et autres. Maintenant, en allant un peu plus en détail des rapports provenant des pays qui participent à cette formation, j'aimerais mettre l'accent premièrement sur l'utilisation des terres. Les trois prochaines diapos vont porter sur les tailles présentées par les superficies présentées par les pays qui prennent part à la présente formation ainsi que les institutions. J'aimerais également mettre l'accent en ce qui concerne le questionnaire sur l'utilisation des terres. Comme je l'avais déjà dit, les participants, le dénominateur pour l'ODD 241, c'est l'une des données qui sont collectés par ce questionnaire. Mais l'une des différences clés, c'est que tous ces questionnaires mettent l'accent sur les réalités au niveau national. Nous avons les terres agricoles. Et un autre élément qui fait l'objet de collecte de ce questionnaire, sont les terres qui sont sous des couverts protégés. Il s'agit des terres qui sont utilisées par les autochtones, qui sont des exploitants. Vous pouvez le voir également sur le questionnaire. Un autre élément important dans le cadre de ce questionnaire sur l'utilisation des terres, les terres qui font l'objet d'agriculture bio. Il est important que pour les pays qui examinent la question d'agriculture durable, d'en prendre note. Donc, sachez que nous faisons la collecte des données relatives aux zones cultivées, mais aussi les zones qui font l'objet d'agriculture bio, mais aussi des zones où nous avons des agricultures de produits certifiés bio. We have in general
lower. En général, nous avons peu de rapports qui proviennent des pays qui participent au présent atelier comparativement aux autres pays. Nous comprenons que peut-être la faute, c'est parce que nous n'arrivons pas à contacter la bonne personne ou il y a des difficultés à faire la collecte de ces données. Donc, pour présenter la chose de cette, pour présenter les points focaux au niveau national, nous, en l'occurrence au ministère de l'Agriculture ou alors au ministère du Développement rural ou autres institutions pertinentes, nous voulons par exemple parler du Botswana qui a pu nous fournir les données provenant des deux dernières années en ce qui concerne ce questionnaire. Notre prochain envoi de questionnaire serait en octobre 2021. Les retours d'informations et commentaires des pays nous sont très précieux parce que cela nous permet d'améliorer la collecte des données pour les cycles à venir et anticiper également les différents défis qui sont associés au prochain envoi des questionnaires cette année. Ici, nous avons la Guinée équatoriale, le Ghana et le Soto qui ont également pu nous fournir des informations au cours des derniers cycles de collecte d'informations. Il y a les îles Maurice, le Sénégal et le Soudan du Sud également qui sont à féliciter. Un autre point que j'aimerais souligner en ce sens, c'est le fait que le dénominateur soit pertinent pour le rapport sur l'ODD 241, mais cela est également pertinent pour le thème 5 qui porte sur l'eau et l'irrigation, ainsi que le thème 8 qui porte sur la biodiversité et l'agriculture bio. Donc, nous essayons de faire également la collecte sur ces différents thèmes. Nous vous enverrons des liens vers une autre plateforme de collecte des informations, en l'occurrence Aquastat, qui porte sur les ressources renouvelables en eau. Ces données peuvent être obtenues au niveau national et peuvent constituer un indicateur important pour les rapports relatifs à l'ODD 241. Un autre thème important, c'est justement le 8 qui porte sur la biodiversité. Et donc, nous allons mettre l'accent sur les pratiques de biodiversité. Comme je l'ai montré dans le questionnaire, il y a des zones agricoles qui font l'objet d'exploitation bio. Another one of our questionnaires that we send out annually is un autre questionnaire que nous envoyons annuellement porte sur les engrais. Les données ici sont pertinentes pour le thème 6 qui porte sur le risque associé à l'utilisation des engrais et la gestion de ces risques. Nous voulons reconnaître les pays qui nous ont fourni des données tout récemment. Et pour cela, nous disons merci au Botswana, ainsi que le Ghana, la Guinée, Maurice et Sénégal. En
En ce qui concerne le questionnaire sur les pesticides, comme cela a été dit, nous recherchons des données sur l'utilisation globale des pesticides, mais aussi les éléments désagrégés des pesticides. Nous voulons remercier le Burundi qui n'a pas pu nous donner des données récentes, mais au moins a pris part en 2018. Nous remercions le Ghana, le Soto, Madagascar, les îles Maurice et Mozambique pour nous avoir envoyé des données au cours des récentes années. En ce qui concerne le questionnaire sur la production, avec ce questionnaire et les données qu'elle permet d'avoir sont pertinentes pour les thèmes 1 et 3, c'est-à-dire la productivité et la résilience, ainsi que les mécanismes de mitigation des risques. Pour le questionnaire de la production, nous avons les institutions similaires qui ont été contactées. Et nous voulons remercier les pays qui y ont pris part, tels que le Botswana, Guinée, Kenya, les îles Maurice, Sénégal et le Soudan du Sud. Les cycles d'envoi des questionnaires sur la production diffèrent un peu de celui des deux autres questionnaires. Le prochain envoi serait en avril de l'année prochaine. Cela voudrait dire que pour cette année, ceci a été déjà envoyé et les données sont en cours de collecte par les différents points focaux. Et d'ici la fin de cette année, nous pourrons passer à la diffusion de ces données. Par rapport au questionnaire sur les prix, je dirais que cela est pertinent pour l'agriculture durable. Et la volatilité des prix pourrait également expliquer des risques plus élevés pour les pays en ce qui concerne l'agriculture durable ainsi que les revenus des exploitants. Les pays qui sont à féliciter pour avoir fourni des données lors des questionnaires récents, nous dirons Burundi, Cap-Vert, Tchad, Guinée et Madagascar, ainsi que les îles Maurice, Rwanda, Sénégal, Soudan du Sud et la Zambie. Donc, voici la présentation des questionnaires clés qui ont des liens avec le point, l'indicateur 241, ainsi que, et nous vous avons également présenté le nom des institutions point focal. Pour les pays qui font leur rapport en ce qui concerne 241, sachez que les données qui seront partagées sur le site web des départements statistiques peuvent être utilisées pour l'analyse de la situation en ce qui concerne 241. J'aimerais également dire que cet exercice ne remplace en aucun cas les efforts qui doivent être fournis en ce qui concerne le rapport par rapport au 2.41. Nous aimerions rappeler aux différents États à continuer à faire leurs efforts en ce sens. En principe, certaines des statistiques nationales peuvent être utilisées comme un
proxy for reporting to 2.4.1, I'm sure of which Asfandiar and Stefania have also. Je crois que Stefania et Acharya ont eu l'occasion de vous faire voir l'applicabilité de ces éléments. L'exploitation de ce processus de collecte de données que nous avons nous permet d'aider les processus nationaux dans le cadre de la collecte des données et des recensements. Je voulais indiquer, finalement, pour terminer, que à la FAO, dans une de notre dernière publication dont le lien vous sera envoyé, qui porte sur les évolutions au fil du temps, et nous allons partager ce lien dans la boîte à conversation et inviter les participants à jeter un coup d'œil à cette publication pour voir comment exploiter le contenu. Voilà, c'est la fin de ma présentation et nous pourrions ouvrir le débat là-dessus et je vais partager ces liens dont je viens de parler dans la boîte à conversation. So, over to you, Stefania. Stefania, je te remets la parole. Il y a une prise de parole que nous n'arrivons pas à recevoir suffisamment. Certainement à cause d'un problème de connexion. Je crois que Stefania est déconnectée. Si les participants ont d'autres questions, ils pourront les poser. Nous avons 5 minutes. Et nous continuerons avec les discussions. Alors, si vous avez des questions liées à la présentation de Nathan, posez-la. La parole est à qui voudrait la prendre. Manifestez-vous et posez vos questions, s'il vous plaît. Allô? 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 Hi, yes, we can hear you. Please go ahead. Oui, nous vous recevons. Posez votre question, Monsieur Oulaye Sayo. Vous avez la parole. Allô? Merci beaucoup. Et merci, Madame Stéphanie. Et merci, Monsieur le présentateur. Vraiment, je suis vraiment content de cette présentation. C'est un des points focaux de la FAO pour transmettre les données. Nous vous recevons très, très mal. Si vous nous recevez, vous allez devoir ajuster votre système. Nous vous recevons très, très mal, Monsieur Sayon. Monsieur Sayon, nous vous recevons très, très mal. Monsieur Sayon, nous vous recevons très mal. Vous avez un problème de connexion, Monsieur Sayon. Alors, ce que je proposerais, c'est que si vous avez des questions,
envoyer votre question à travers la boîte à conversation parce que nous ne vous recevons pas du tout bien. Envoyez votre question à travers la boîte de conversation ou à travers l'outil questions et réponses. Merci beaucoup. Nathan, l'une des questions était comment est-ce que les questions seront partagées aux points focaux? C'est plutôt quand est-ce que ces questionnaires seront transmises ou partagées avec les points focaux et non comment. Nathan, I guess you are muted. Nathan, je crois que vous êtes désactivé. Désolé. Oh, oui. Je cherchais à porter ma remercie beaucoup pour cette question sur le processus d'obtention ou de transmission de détails au point focaux. Je voudrais également faire voir cette partie de commentaires inclus dans le questionnaire. Les pays peuvent donc faire des observations sur les questions. Si ces questions sont adressées à la personne la mieux indiquée. Alternatively, what I can do is I can provide the email contact that we. Sinon, ce qui peut être fait, c'est de fournir les adresses mail des ressources statistiques. Je vais donner cette adresse mail dans la boîte à conversation pour permettre au pays de m'envoyer des courriels et à me donner des informations. Pour nous dire si oui ou non, nous sommes en communication, nous communiquons avec les personnes indiquées ou pas. L'autre question, c'est que les pays obtiennent des questionnaires régulièrement, mais ils ont aussi une feuille de route qui leur permet de faire et prévaloir ce qu'il y a à faire. Je vais également. Oui, merci pour cette question sur. Allô? Sur quand? Allô, allô? Faudra-t-il allô? Couper cette personne qui gêne? Stefania, you have the administrative control. Stefania, vous avez la possibilité de couper qui que ce soit qui ne demande pas la parole de manière appropriée. Oui, nous savons que les pays reçoivent un nombre de questionnaires à plusieurs moments au cours de l'année et en général ou généralement parlant, nous avons juste deux séries de transmissions, à savoir en octobre, où vous recevez des questionnaires sur l'utilisation des pesticides. Et si vous en êtes le point focal, au mois d'avril également, où les questionnaires sur la production agricole sont transmise. Voilà les deux mois importants pour la collecte des données pour lesquelles les questionnaires sont transmis. Je peux également, si vous allez sur le site également, vous trouverez des informations sur comment obtenir des
mise à jour dans FaoStats. Par exemple, je fais un partage d'écran pour vous faire voir de quoi je parle. Je voudrais également vous donner un aperçu de données sur la FaoStats. Voilà donc différentes statistiques sur les questionnaires qui ont été partagés, par exemple, dans chacun de ces domaines. Si vous êtes inscrit, prenez par exemple l'utilisation des pesticides. Nous avons des documents d'appui par rapport à notre pays et vous trouverez également des informations pertinentes sur le rapport pour le rapport de votre pays. Voilà le domaine d'information README lié à des informations sur les méthodologies qui peuvent renforcer le processus de collecte de données. Ensuite, l'historique des mises à jour et la date actuelle, la date réelle de mise à jour de ce domaine. Donc, nous avions anticipé des plans de mise à jour pour cette année et pour les trois aspects de pesticides sur le terrain d'ici le mois de juin. Voici donc à ce niveau. Je crois que Stéphania pourra également nous pour fournir des liens relatifs aux questionnaires pour permettre aux pays de voir des documents d'appui. Merci. Nous sommes pris par le temps. Nous n'avons que 30 minutes à faire et nous remercions pour ton intervention très utile. Nous demanderons aux participants s'ils ont des questions de suivi à Nathan. Ils peuvent tout simplement lui envoyer un message, lui écrire ou nous écrire et nous vous mettrons en contact avec lui pour que vous puissiez avoir réponse à vos questions. Merci beaucoup, Nathan. Merci, merci à tout le monde. Merci pour votre disponibilité. Je m'en vais transmettre les informations sur les ressources statistiques dans la boîte à conversation pour vous permettre d'y accéder. Je vous remercie. Et j'espère, je vous souhaite de fructueuses délibérations pour la suite de la formation. Je vois demain levé, comme cela vient d'être dit, écrivez plutôt vos questions dans la boîte à conversation. Ah, bien. Par email ou par message. OK, merci beaucoup. OK, so, as Sandhya said, we have only 30 minutes left. Nous n'avons que 30 minutes pour terminer la journée. Nous allons donc rapidement passer aux autres présentations. Maintenant, abordons le questionnaire. Absanja, je dirais qu'il faut ouvrir le débat. Il faut ouvrir le débat. Nous pouvons envoyer les autres présentations et les autres ressources aux participants. Parce que, dites-vous, nous ne disposons que de 30 minutes pour terminer cette formation. Et donc, je souhaiterais avoir quelques minutes avant que les pays
nous présente les étapes suivantes par rapport à la mise en œuvre de leur processus. Alors, pour les participants, nous avons partagé le fichier sur le bilan avec les participants. Je m'en vais donc partager mon écran, ce diapo qui plantera le décor de ce que nous avons à faire pour les mois à venir. Voici donc les étapes suivantes que nous souhaiterions que vous, auxquelles vous devriez tenir compte et pour nous permettre d'avoir des mesures. Alors, tous les participants sont tenus de remplir le tableur de prise de bilan qui a été partagé. Cela vous aidera à évaluer les insuffisances en matière de données dans votre système de statistiques agricoles par rapport aux exigences de l'ODD 2.4.1.2. Nous vous demanderons de répondre à la collecte de données de questionnaires en remplissant, en procédant à la présentation de données disponibles. Ensuite, préparer 2 à 3 pages de plan d'action qui présente en détail la mise en œuvre et le reportage sur le 2.4.1. Ensuite, le plan d'action. Ce plan d'action doit lister toutes les activités que vous comptez entreprendre dans le temps donné pour permettre à votre pays de pouvoir recueillir des informations sur l'ODD 2.4.1. Pour le moment, présentez-nous ces informations à travers un. Alors, pour le moment, nous vous demanderons de nous donner des informations à travers un tableur et puis votre plan d'action. Maintenant, nous allons ouvrir le débat sur les questions qui vous semblent importantes ou les questions que vous souhaiteriez nous faire savoir. Vous pouvez tirer des informations ou vous faire des idées à travers les points qui sont présentés ici. Donc, dites-nous, par exemple, ou faites-nous savoir ce qui est primordial pour vous, semble primordial dans la situation de votre pays. Stéphania, voilà, nous allons maintenant ouvrir le débat et écouter les participants. Nous avons 3 mains levées. Je vais donner la parole à M. Oulaye pour démarrer ce débat en respectant les questions qui sont ici proposées. M. Oulaye, vous avez la parole. Oui, bonjour, merci. Merci beaucoup. Vous me recevez? Oui, 5 sur 5, allez-y. Ok, merci beaucoup. Je remercie très bien la modératrice et je remercie aussi le présentateur et toute l'équipe. Et ce chapitre, vraiment, cette présentation est bienvenue. Et ça concerne le point focal. Donc, moi, je suis un point focal pour la Guinée qui a rempli ces différents questionnaires. Bonjour. Donc, le dernier questionnaire que sous le prix est vraiment transmis à hier soir concernant les prix et la production. Et j'ai reçu aussi le questionnaire sur la partie finance concernant l'agriculture. Je tiens vraiment
Monsieur Oulaye, malheureusement, votre connexion n'est pas bonne. On ne vous entend pas très bien. Je pense que je dois vous quitter parce qu'on n'entend vraiment pas bien. Vous êtes tout le temps... on n'entend pas. Donc, je suis désolée, je vais passer la parole à quelqu'un d'autre. Allô. Peut-être dans quelques moments, vous allez améliorer ça. Je vais donner la parole à monsieur Pasquale. Oui, merci. Allô? Allô, vous m'attendez? Oui, on vous entend. OK. Bon, par rapport à les questions posées, normalement, comme moi, je représente l'INS, l'Institut national des statistiques, en principe, nous devons travailler avec le ministère de l'Agriculture. Alors, ce qui va se passer, comme nous, on n'a pas encore envoyé des fichiers, il faut le reconnaître, et on n'a pas encore envoyé des fichiers, donc, dès que nous aurons, premièrement, dès que vous allez traduire les fichiers en français pour la meilleure compréhension, on va essayer de voir avec nos collègues du ministère de l'Agriculture. Alors, sinon pas les données, nous, on va chercher les données au niveau de l'INS pour compléter les fichiers Excel que vous avez envoyés. C'est pour cela que je voulais interpeller dans ce sens. Je ne sais pas si un collègue du ministère est connecté parce que je vois les noms. Je ne sais pas s'ils sont connectés pour donner un peu comment on peut travailler avec eux pour le renseignement des informations que vous demandez. Sinon, on pourra chercher ça au niveau de notre service des comptes nationaux pour les estimations que nous faisons au travers de l'agriculture. Comme vous le savez, nous avons fait une enquête sur l'agriculture en 2015. Je pense que ces données, c'est pour cela que je... Et les données que nous avons, c'est à partir de l'enquête sur l'agriculture que nous avons eue en 2015 et que nous pouvons projeter jusqu'à maintenant. Mais cette base est avec nos collègues du ministère de l'Agriculture. Comme en 2015, l'INS n'était pas encore opérative, mais était déjà implémenté, mais on n'avait pas encore commencé les travaux. Donc, pour le renseignement des données que vous attendez, j'espère qu'on va le faire et avec nos collègues du ministère de l'Agriculture. Merci. Thank you. Asanda, you want to say something? Merci. No, that's exactly Asanda. How we would like to... Oui, justement, c'est comme cela que nous voudrions procéder. C'est promis. Les présentations qui ont été faites seront traduites en français. Et pour le moment, nous n'avons aucune intention à... Au fait, les présentations ne seront pas traduites en français, elles seront en français, en anglais, pardon. Les données qui ont été présentées en fichier Excel, nous allons les traduire en français. Mais pour ce qui concerne les autres documents, comme je l'avais déjà dit, tout est déjà disponible en français. Les notes méthodologiques sont disponibles en français ou sont disponibles en français. Les questionnaires sont disponibles en français. Les questionnaires de collecte de données sont également disponibles en français, et aussi bien que les questionnaires d'enquête. Donc, tout ce dont vous avez besoin pour comprendre les indicateurs sont déjà disponibles en français. Tout ce que nous demandons de vous, la seule chose que nous demandons de vous, c'est de remplir cette tableau de bilan. Je ne sais pas si cela est déjà disponible. Non, pas encore. Et c'est ça qui doit nous préoccuper. Maintenant, traduire ces documents immédiatement en français ne serait pas si simple.
Il nous faudra un peu de temps pour traduire tous ces questionnaires en français. Surtout l'exercice sur le bilan. Ceci étant, vous avez connaissance des indicateurs, vous connaissez cette méthodologie, vous savez les concepts ou la base méthodologique de cet indicateur. Ce que nous attendons de vous est compte tenu des questions affichées que vous nous proposiez un plan d'action de 2 pages par rapport aux sous-indicateurs. Et dans ce plan d'action, vous avez à nous dire si vous pouvez donner présenter des rapports sur ces indicateurs en nous indiquant des informations subsidiaires dont vous disposez. Et dans ce même plan d'action, nous voudrions que vous nous indiquiez de manière transparente les contraintes auxquelles vous êtes confrontés pour la présentation des informations sur ces indicateurs et ce que vous comptez faire pour surmonter ces défis et quel appui souhaiterez-vous avoir de la FAO pour vous aider à faire vos rapports sur l'ODD-4. Et donc, en général, ce que nous voulons vous faire comprendre en termes de méthodologie sur l'ODD-4, nous l'avions fait à travers cette formation. Maintenant, nous souhaiterions que vous nous informiez si vous avez besoin d'un appui technique et supplémentaire de la FAO. Quel type d'appui ou d'assistance souhaiteriez-vous pour vous permettre de présenter vos rapports ou de faire un compte rendu sur l'ODD-4? Justement, il y a une question sur la présentation de rapports. Ils demandent s'ils peuvent avoir une assistance technique ou financière. Oui, je peux parler? Maintenant, à la FAO, nous sommes garants de 21 indicateurs. En matière de taxation technique, notre stratégie d'assistance porte également sur la formation ou relève de la formation. Maintenant, par rapport à l'assistance technique pour au niveau pays, sur la mise en œuvre et la présentation de rapports sur les indicateurs. Moi, je demanderai au bureau de la FAO dans les différents pays de prendre contact avec les partenaires pour voir quel appui leur apporter. Parce que M. Flavo a fait comprendre hier que nous, à la FAO, nous appuyons un ensemble de pays, 15 au total, qui seront soutenus d'ici 2023 dans le cadre des programmes d'enquête agricole. Non seulement, il ne s'agit pas seulement de la FAO, mais d'autres institutions multipartites, la Banque mondiale et IFAD, qui appuieront, avec l'appui des bailleurs, aideront 15 pays d'ici 2030. Voilà justement, cet appui ne se limitera pas seulement à l'Afrique, mais se fera à l'échelle mondiale. Je dirais qu'il y a des projets initiés au niveau de la FAO qui apporteront des appuis financiers autres que techniques aux pays pour les permettre de mettre en œuvre, d'adopter des procédés à l'analyse des rapports sur l'ODD 241. Mais vous devriez être proactif.
par rapport à vos besoins, parce qu'il faudrait assister les bureaux de la FAO dans ces différents pays, doivent aider ses partenaires en collaboration avec le siège. Ainsi, nous verrons ce qu'il faut vous apporter comme assistance. La nature de l'assistance, comme je l'ai indiqué, dépendra de la disponibilité de ressources et de la disponibilité de ressources humaines et d'experts techniques. Donc, tout ne sera pas carré, mais comme l'a dit Flavio, si vous avez un besoin, écrivez-nous et nous saurons prendre les mesures nécessaires et nous allons en discuter avec le comité de pilotage du pays et voir quel appui vous apportez. Eugenio, vous avez la parole. Merci. Est-ce que vous me recevez? Oui. Je voudrais tout d'abord vous dire bonjour. Je crois que ce fut une belle opportunité. Nous avons beaucoup appris. Et je suis basé au bureau de la FAO à Maputo, au Mozambique. Et je travaille avec mon collègue de l'Institut de statistique nationale et le collègue du ministère de l'Agriculture. J'aurais souhaité qu'ils puissent prendre la parole eux-mêmes et dire un mot. Obrigado. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Afugu. Monsieur Afugu, vous avez la parole. Oui, merci. Premièrement, je voulais vous dire que nous, en Guinée équatoriale, nous sommes hispanophones, on fait un grand effort pour, comme nous sommes aussi dans la CEMA, nous sommes obligés de parler le français. Alors, comme je l'ai signalé, et je viens de maintenant comprendre l'objet des discussions, vous voulez un rapport sur tout ce qui est comme question que j'essaie de comprendre. Mais comme je disais, je crois qu'un collègue aussi l'a évoqué, cette formation, elle est très importante parce que moi, par exemple, je pense que c'est la première fois que j'en participe et je crois que je suis désigné comme point focal maintenant pour l'INS. Ce sera bon de... Pour la suite, moi je parle de la suite qui est important pour mieux comprendre et mieux pouvoir faire tout ce que vous allez vouloir après. Vous savez que cet exercice après il faut le suivi qui est la formation continue. On a parlé des questionnaires qu'on doit bien former, la plateforme qu'on doit former. À part ce que la FAO peut faire pour le pays qui est l'assistant technique sur la formation continue. Alors disons, on ne sait pas si la FAO aussi a des moyens financiers pour appuyer des pays, mais pour la partie technique, c'est très bien que tous ces documents méthodologiques, tous les travaux à faire soient bien compris et soient bien renseignés. Alors, tout ce que vous allez demander après, comme les rapports, ça sera plus facile pour nous de le faire. Je vous donne un exemple. Par exemple, ici au pays, moi, je suis le point focal de PCI. Le PCI, ça a commencé comme ça en anglais. Bon, après, ils ont fait l'effort de mettre des documents en français. Maintenant, nous, on produit le PCI tous les années. Et tous les années, nous faisons les enquêtes. Bon, c'est vrai que c'est la BAT qui nous fournit les fonds pour faire les enquêtes PCI. Mais c'est tous les années et c'est automatique. Donc, si la FAO veut que ces travaux soient automatiques, il faut que les moyens soient aussi fournis. C'est vrai que c'est la FAO, il faut aussi que les pays s'amènent, mais si la FAO donne plus de force, les pays vont s'engager. Merci.
So yeah, thank you very much for this. Merci beaucoup pour cette intervention. Comme je l'ai déjà dit, way forward for us is for you to prepare an action plan, a two-page. Il s'agira pour vous de préparer maintenant un plan d'action de deux pages. Dans cette présentation, expliquer ce que vous comptez faire, les obstacles que vous, auxquels vous êtes confrontés, et ce plan d'action doit pouvoir nous indiquer ce que vous comptez faire pour surmonter ces contraintes et ensuite souligner les voies et moyens par lequel la FAO doit vous soutenir, ou pourra vous soutenir. Voilà, c'est quelque chose qui doit être indiqué par vous-même, parce que la FAO ne peut, la FAO ne peut comprendre les problèmes auxquels vous êtes confrontés si et c'est seulement si vous indiquez proprement les défis auxquels vous êtes confrontés et ces documents, ces contraintes qui sont bien documentées, qui nous permettront de voir comment bien vous soutenir pour aller de l'avant. Maintenant, par rapport au processus à entreprendre pour aborder ces défis ou surmonter ces défis, vous avez à informer les représentants pays de la FAO parce qu'ils sont à transmettre leur toutes ou mettez-les en copie de toutes les communications que vous enverrez au siège le bureau régional de l'Afrique également aussi bien Monsieur Kafkas, il faudra également le mettre en copie de cette communication et vous allez nous écrire également au siège, soit à travers le bureau pays ou le bureau régional, ou si vous voulez nous écrire directement à l'équipe de l'ODD 2.4.1. Bien entendu, comme je l'avais déjà dit, nous ne pouvons pas promettre à ce stade où nous ne pouvons pas nous engager par rapport à une contribution financière en disant que la FAO pourra allouer tel ou tel à un pays, mais nous serions heureux de vous écouter, débattre avec vous comment nous pourrions vous appuyer sur le plan technique et financier sans promettre quoi que ce soit à ce stade. Je vous promets quand même que nous serons ouverts à vos préoccupations au niveau de vos pays et nous verrons quelle serait la bonne ou la meilleure stratégie pour aller de l'avant, non seulement en appuyant ou en soutenant votre pays en particulier et le continent africain en général. Il n'y a plus de mains levées, plus de questions. S'il y a d'autres pays qui souhaiteraient prendre la parole, c'est le moment de le faire. So there is one, the question is answered, right? So one of the anonymous attendees asked this question and saying that FAO stopped this type of assistance in 2019. I answered that question. Okay, perfect. Yes, Alexis, you have the floor. Thank you, Stefania, and Han for the presentations. I'd like to know by answering these questions or in the previous
slide that Mr. Han shared with us. I know we are more than one representatives of our organizations in this training. So I was wondering, by answering these questions, we will be willing to combine or to compile all the answers or the feedback from all the representatives. I mean, if we represent Rwanda by two or three candidates here, are we going to compile together what we should be answering or giving us feedback? Of course, that is the idea. So we need one single response from country, okay? So if there are two or three or five participants participating in this particular training, we would like you to reach out to you know, each other, coordinate with each other, consolidate the feedback, approve that feedback with your concerned you know, office. It could very well be the head of the NSO, or it could very well be the head of the Ministry of Agriculture, or maybe both. So you will have to coordinate all your responses at the country level, consolidate that response, approve that response by your relevant authorities, and then send one official 2 to 3 page action plan to FAO along with your needs. So that we have a very, you know, we have an official position of the country approved by the relevant authorities. So that once we start discussing it in-house at FAO with different stakeholders, then we should be in a better position to convince them that this is an official position of the country. So I would appreciate if you coordinate amongst, you know, the relevant institution at the country level, consolidate the response, approve that response at the country level, and then send us or share with us your action plan as one single document by country. Okay, thank you for the response. In addition to this, we are not, I'm not aware of other representatives from my country who is who are in the training. So I'm addressing to them if they may show themselves so that we can have discussions afterwards. Thank you. Just one more point that I would like to highlight to all participants present in this training. That in terms of the action plan that I've been you know, referring to time and again, we will communicate in our follow-up email after this training the date by which you need to submit that to us, okay? So we would request you to respect, you know, that deadline, as you know, that is an input to our future plans regarding country support, okay? So it will be very good for you to you know, adhere to and comply with the time frame that we share with you as part of our email that you will receive in the next couple of days. Sorry, Sandhya, there is not any more French translation. So I don't know if the interpreters can please retrieve the simultaneous translation. Désolé. Est-ce que vous nous recevez, s'il vous plaît? Allô? So, Stefania. Allô, Stefania. You know, I think we communicated everything that we wanted to. Je crois que nous avons déjà beaucoup transmis et il s'agira maintenant de. Il demande quelle est la date butoir. La date butoir pourrait. So how about 26th of, or
or maybe 2028. Qu'en est-il du 26 ou 28 juin pour nous transmettre ces deux pages de plan d'action proposé? 26 ou le 28 juin? Also close the sessions. I don't know if Sonia, there is Mr. Oulayer that would like to take. Monsieur Oulayer, vous voulez également prendre la parole? Improve. Allez-y, nous allons voir si votre communication est bonne cette fois-ci. Allez-y, Monsieur Oulayer. Allô, merci. Vous m'entendez? Allô. Monsieur Saint. Vous m'entendez? Ok, merci beaucoup. Je dis tout d'abord, je remercie très bien les organisateurs de cette formation et le dernier intervenant, le dernier présentateur de la modération. Bon, je remercie la FAO pour l'appréciation faite pour la présentation quand ils présentaient le questionnaire. Et les pays qui ont vraiment fourni des informations, j'étais très heureux d'entendre le nom de mon pays, la Guinée, et car je suis, tiens à préciser que je suis le point focal et la personne qui était chargée de remplir ce questionnaire. Mon dernier questionnaire transmis pour cette année, c'était les prix. C'est hier que j'ai transmis ça sur les prix. Et l'autre semaine, c'était sur la production. Maintenant, j'ai reçu aussi le questionnaire GA sur la finance. Concernant l'agriculture, les dépenses, avoir une formation en ligne comme celui de 2.7, cette formation qui était vraiment très intéressante. Je voudrais avoir une formation pour ça, parce qu'on a vraiment besoin de ça, on a quelques difficultés pour remplir ce questionnaire. Et parce qu'hier, j'ai reçu un message de la part de FAO, à travers cette réunion, je profite de ma requête pour trouver cette option au mois de juin. Parce qu'ils m'ont dit. Ouais. Allô? Allô? Sonia, were you able to follow the intervention? Allô? Est-ce que vous avez réussi à suivre cet échange sans sa connexion étant mauvaise? Oui, mais j'ai fait un message, j'ai écrit un message, j'ai compris la réponse là. C'est le même message que j'ai repris en parlant. Okay. La voix vocale. Donc, je dis que je sollicite. J'ai déjà noté ça dans mes notes. Donc, je vais envoyer le message aux collègues qui s'occupent de ça. Okay, merci. Merci beaucoup. Merci vraiment. Merci pour l'information. Je vous remercie infiniment. Merci. Merci à vous. Mm-hmm. So, as Pandyar, we don't have any other intervention. Yes, Stefania. Yes. Oui, Stefania. Nous n'avons plus rien. I cannot hear you. Oh, hello. Je ne te reçois pas. To Mr. Oulaye comment. So, est-ce que vous répondez aux commentaires de Monsieur Oulaye? Est-ce que pour le moment, nous n'avons plus d'autres questions ou observations? Alors, ce que nous allons faire, et au nom des participants, nous vous remercions beaucoup. Nous vous remercions de la part du directeur de la division des statistiques de la FAO, aussi bien que du statisticien en chef de la FAO. Ce fut un réel plaisir d'avoir pris part à cette formation. À vos côtés, nous allons vous transmettre tous les documents nécessaires présentés pendant cette formation à vous tous. Et vous savez, il y a eu également cette question de partage de liste des participants avec tous les participants. Je donne la parole à Stefania pour la clôture.
Permettez-moi de lancer l'évaluation ou de vous transmettre l'évaluation. Voilà, je viens de lancer l'évaluation. Vous allez voir 10 questions affichées. Voilà, répondez à tout cela. Cela nous permettra d'améliorer par la suite nos futures interventions en termes de formation. Donc, répondez dans le meilleur des cas à ces questions. Gardez à l'esprit que l'objectif principal, c'était de vous présenter des informations et la méthodologie sur l'ODD 2.4.1. Vous devrez répondre à toutes les 10 questions à soumettre. C'est des questions qui sont anonymes. Nous ne saurons pas du tout qui c'est qui a répondu comment ou à quoi. Donc, je vous donne le temps. Peut-être que je demanderai aux interprètes d'interpréter les questions. Alors, c'est une évaluation virtuelle de la formation. La question 1. Les sessions visent à renforcer ou améliorer votre compréhension sur les concepts clés et la méthodologie de l'indicateur. Deuxième élément, des stratégies sur votre compréhension sur les stratégies de collecte de données, les mécanismes de reportage. Est-ce que cet objectif a été atteint? En quoi est-ce que cet objectif a été atteint? Alors, vos éléments de réponse au choix. Voilà, la formation, cette compréhension a été forte, très forte, forte, moyenne, faible, très faible. De deux, la formation virtuelle était aussi bonne que la formation en présentiel. Cette formation virtuelle est ou a été aussi appréciée ou bonne qu'une formation en présentiel. Donc là, je suis tout à fait d'accord, neutre, je ne suis pas d'accord, pas du tout d'accord. Trois, le temps prévu pour la formation est adéquat. Ça, c'est le troisième élément. Le temps prévu, hein, le temps de la formation est adéquat. Je suis tout à fait d'accord, neutre, pas d'accord, pas du tout d'accord. Quatre, les sessions étaient bien organisées et faciles à suivre. Les sessions étaient bien organisées et facile à suivre. Tout à fait d'accord, neutre, pas d'accord, pas du tout d'accord. Alors, 5, les exercices étaient pertinents et utiles. Les exercices étaient pertinents et utiles. Tout à fait d'accord, neutre, pas d'accord, pas du tout d'accord. Le point 6, les questions posées par les participants ont eu des réponses appropriées. Les questions posées ou soulevées par les participants ont obtenu des réponses appropriées. Tout à fait d'accord, neutre, pas d'accord, pas du tout d'accord. 7. Je compte utiliser cette connaissance acquise dans le cadre de mon travail. Je compte utiliser ou appliquer la connaissance acquise dans le cadre de mon travail ou pour améliorer mon travail. Tout à fait d'accord, neutre, pas d'accord, pas du tout d'accord. 8. Je compte transmettre la connaissance acquise aux pertinents
les acteurs. Je compte disséminer, transmettre ou diffuser cette, la connaissance acquise aux acteurs nécessaires ou pertinents qui en ont besoin. Tout à fait d'accord, d'accord, neutre, pas d'accord, pas du tout d'accord. 9. La qualité de la facilitation par l'équipe était tout à fait d'accord, d'accord, neutre, pas d'accord, pas du tout d'accord. 10. La gestion de l'atelier, à savoir les moyens, la logistique, l'appui, etc., était adéquat ou approprié. Hein? La gestion ou l'administration de l'atelier, notamment les moyens, les facilités, la logistique, le soutien, etc., était approprié. Tout à fait d'accord, d'accord, neutre, pas d'accord, pas du tout d'accord. Voilà, chers amis francophones, si vous nous avez bien suivi, les 10 points auxquels vous devriez attribuer vos réponses au choix. Merci beaucoup. Okay, thank you for the translators that have just finished reading all the questions. So please reply to all the questions and then submit. If you cannot, if you leave one question, then you don't have the possibility to submit the survey. So I still see some people that need to answer. So let's do like this. Merci à l'interprète et transmettez ses réponses immédiatement. Par la suite, je vais clôturer la réunion. Je vais garder l'évaluation. Et je vais démarrer. Je m'excuse. Nous avons Yao, Fernando, Camisa, qui sont des participants. Mais permettez également que j'active ma vidéo. Si vous voulez également vous faire voir, activez également vos vidéos pour que nous puissions faire une photo de famille ensemble. Il est temps de clôturer cette première série de formations sur l'ODD 241. Je voudrais remercier les interprètes pour le travail abattu et je pense que nous pouvons remercier Wasandia au nom de tous les participants. Permettez-moi de le faire. Nous avions obtenu beaucoup de messages et Wasandia a su répondre à toutes les questions et enfin, à tous les participants, je vous remercie et je félicite d'avoir préparé cette formation sur l'ODD 241 de 2021. Nous espérons que vous aviez pris plaisir à suivre cette formation et que vous avez une meilleure compréhension de cette méthodologie. Et voilà, cette formation nous permet d'avoir pratiquement une forte participation et sans participants. Et cela nous permettra de vous joindre aux 300 que participants formés en 2020. Ce n'est pas facile de faire cette formation, mais dites-vous, vous avez toute l'opportunité de communiquer avec nous. Je voudrais vous donner une information. Si votre pays ne dispose pas d'un point focal sur l'ODD 241,
prenez contact avec vos autorités et transmettez-nous le nom du point focal pour nous permettre de communiquer avec cette personne sur cet indicateur. Nous promettons de vous faire parvenir tous les documents et puis les certificats de participation à tous ceux et celles qui ont pris part à cette formation de 3 jours. Dans ce cas, je demanderai à ceux qui travaillent dans un seul département ou unité, envoyez-moi le nom de vos collègues pour nous permettre de leur envoyer leur certificat également. Il m'a été demandé quand est-ce que ces certificats seront envoyés. Je ne peux rien promettre parce que vous êtes beaucoup et ce travail doit être fait manuellement. Et je vous promets quand même que ce sera le cas et dès que possible. Nous avons également le rapport à préparer et nous avons d'autres formations pour d'autres participants, d'autres régions d'ici la fin du mois. Nous enverrons l'enregistrement tel que promis. Il m'a été demandé de maintenant parler en français. Je suis désolé. De traduire le rapport en français. Désolé, nous ne pouvons pas le faire. Le rapport ne sera qu'en anglais. Le rapport ne sera qu'en anglais. Asanja, je ne sais pas si tu as un dernier mot. Sinon, nous allons faire une photo de famille. Et tu n'es pas obligé de prendre la parole. Merci, merci beaucoup. J'ai été très heureux d'avoir pris part à cette formation. La réussite de cette formation, vous savez, l'intensité des questions qui ont été posées est une preuve de la participation active et de l'intérêt que les participants ont. Dans cette formation, j'ai été très heureux d'avoir travaillé avec un groupe de professionnels aussi divers. Alors, je crois que avec cette formation, nos interventions et nos engagements avec vous ne peuvent être que renforcés. Ce n'est pas la fin, ce n'est qu'un début. Si vous avez des questions liées à une partie de la méthodologie, et sur les autres aspects, n'hésitez pas à nous écrire, n'hésitez pas à prendre contact avec nous et nous serons très heureux de vous aider dans le meilleur des cas, au mieux de notre capacité. Et prenez contact avec les bureaux FAO de vos pays, le bureau régional et tous les représentants FAO des bureaux et pays. Nous les remercions pour leur patience et leur contribution à cette formation. Enfin, je voudrais féliciter et remercier Stéphania qui nous a permis d'avoir eu ce succès. Elle n'a pas eu l'occasion de faire sa présentation une présentation au cours de cette formation. Mais nous allons vous envoyer la présentation qu'elle avait préparée et nous aurons à vous envoyer également les présentations qu'elle avait faites dans d'autres cadres l'année dernière avec vous. Là-dessus, je voudrais également remercier les interprètes pour leurs efforts. Ce n'est pas facile pour qu'ils écoutent et interprètent au même moment et transmettre toutes les informations avec tout le va-et-vient. Félicitations. Et je voudrais également remercier vos institutions nationales respectives qui vous ont nommé, vous ont permis de prendre part à cette formation. Je vous remercie encore une fois et je vous félicite tous et toutes pour avoir pu terminer cette formation de 3 jours. Je vous remercie. Encore une fois, merci et au revoir. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup.
de la part des interprètes, nous vous remercions, Stéphanie, pour l'opportunité qui nous a été accordée de travailler avec vous.